C'est bizarre, j'ai pas le Lucien en modo ce matin, je me demande bien pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier soir? Il y en a qui étaient là hier soir jusqu'à la fin du live. Vous avez vu la fin du live hier, certains? Mais ok, je pars, bah au revoir, Kyo Giovanna. Est-ce que certains ont vu la fin du live? Lucien, vous avez vu à quel point elle était bourrée sans être bourrée? C'était très très beau, hein. C'était très très beau, franchement. Oh, j'ai envie de récupérer les clips et de les mettre sur TikTok tellement on s'est marré. Ça buguait trop, je suis resté en lurk. Ouais, il y a un moment, ça a bugué, j'ai dû couper et renvoyer le live. Mais c'était... La fin du live, c'était particulier, quoi. C'était très drôle. Salut Sora, salut Rakova, hello, comment ça va? Salut RDN. Salut le gentle boy. Salut Xabab, j'ai la notif pile au réveil, ça se voit que je suis en vacances. Oui, ça se voit. Pas moi, j'y suis pas, mais je suis en week-end, donc c'est beau. Est-ce qu'on... Salut Lewis, salut Elise, comment ça va? Coucou, salut Birourson, bonjour. Birourson, comment ça va? Est-ce que vous voulez lancer The Query? Est-ce qu'on se fait peur ce matin? Est-ce qu'on se fait peur ce matin? J'ai pas capté. Est-ce qu'il faut jouer à la manette ou pas dans le jeu? Par contre, je crois pas. Hein. T'avais fait un short où tu parlais d'un mec qui avait trash talk Pokémon Arceus, ce serait pas Locklear? Non. Non, je me souviens pas de ce short d'ailleurs. Vraiment pas. C'est quoi The Query? C'est un jeu d'horreur. Voilà. Et j'en sais pas plus honnêtement parce que j'ai pas voulu me spoiler le jeu. Le jeu se joue avec manette. Ah! J'ai pas pris. Bon, pire, je la branche. T'es pas un peu en retard, non? Merci beaucoup de Noctab pour le follow. Tu peux jouer à la souris de toute façon. C'est plus un film interactif qu'un jeu. Oui, il paraît. Alors, mode streaming. Ce mode remplace les musiques sous licence du jeu par des musiques libres de droit adaptées au streaming. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons vivement de jouer à The Query avec les musiques sous licence. Alors, là, j'ai un dilemme. Est-ce que t'es vraiment prof? Non, bien sûr, je mens pour les vues. Salut, Choupisson. Est-ce que j'active le mode streamer, mais du coup on n'a pas de musique d'Ariana Grande? Ou est-ce que je l'active pas, et du coup on a des musiques d'Ariana Grande dans le jeu, mais je perds ma chaîne Twitch? Ah, c'est dur. Bien sûr qu'on l'active, Osef d'Ariana Grande. Osef. Total. Non, non, je perds pas ma chaîne. Le mode streaming est bien sur Twitch, mais les musiques sont copyright sur YouTube. Ouais, mais YouTube, je mets que des redifs, donc au pire, s'ils m'enlèvent les sous sur la redif, je m'en branle. Je m'en branle. Je m'en branle total qu'ils m'enlèvent. Ouais, j'ai vu sur YouTube, en fait, le copyright, il passe pas. Du coup, sur YouTube, il te cut si jamais. Mais bon, honnêtement, YouTube, je mets que les redifs, donc si jamais ils m'enlèvent la monétisation sur une de mes redifs, je vais peut-être perdre un centime d'euro. Ouf, c'est pas très grave. C'est MDF que Little Hope. J'en sais rien, j'avoue. Salut RK. Allez, on va lancer le jeu. Nouvelle partie, mode cinéma, regardez une sélection de dénouements prédéfinis pour Osef. Allez, nouvelle partie. Je connais pas de jeu, pas de spoil, hein, évidemment, dans le chat, moi je le connais pas. Salut Oxydienne, salut VGX Vex. David Arquette. D'accord. Sans doute un bon copain. C'est Fly, salut Dampaber. Evan Evagora. Je vous lis tous les noms qui passent à l'écran, un par un. Skiller Gisodon. Ça, c'est libre de droit. Ouais, il va se passer une merde, ça pue en effet l'accident de voiture, je me retrouve tout seul dans un milieu désert, que c'est bizarre. Ouais, voilà. Évidemment. Ah non, c'est juste Gollum dans la forêt qui regarde passer les voitures. C'est Vangelix, salut à ceux qui arrivent, bonjour à tous. C'est qui regardait la voiture? C'est chelou un peu.
pourquoi t'as coupé ce qui arrive. Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Je peux pas mettre des sous-titres. Parce qu'on est po... Poli ? Paumé, Max, on est po... Attendez, juste... Je peux pas... Paramètres. Paramètres, sous-titres... Je vais vous les mettre parce qu'il y en a dans le chat qui vont regarder sans le son et qui vont encore gueuler en disant « Oh, Xabab, on n'entend rien. Est-ce que vraiment tu pourrais couper ta voix, fermer ta gueule et monter le son au maximum pour péter les oreilles de tout le monde ?» Donc voilà, je leur mets... je leur vous mets les sous-titres. Je suis assez sympa parce que je sais comment ça se passe d'habitude. Il y a toujours un mec au moins qui va gueuler. Je pourrais mettre le son à fond, il va dire « Ah non, franchement, j'entends pas, hein, là, vraiment, que dalle. Est-ce que tu peux fermer ta gueule ?» Merci, parce que sinon, j'entends pas le jeu. Toujours. toujours. C'est la démo, non, c'est le jeu. C'est Genaromi. Allez. Jouer à la manette, c'est mieux. Ouais, mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc, paumé. C'est ton point de vue. Attends, je branche ma manette. Oui ? Prenez le temps d'écouter ce qui suit. D'accord. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Aquelsquad. D'accord. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE. D'accord, oui. Qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Non, mais on connaît les QTE. Attention. Aquelsquad peut être un peu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la tête. La balle ? C'est vous qui déciderez de la balle de quoi à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne... Oh, il est mignon, lui. Lui, il est mignon, je le veux bien chez moi. Ah, Yuzaï, bientôt. Attention. Les OSTFS. D'accord. Bravo, chérie. Et si je l'avais pas ramassé, le téléphone était cassé, c'est ça? C'est Neglik, ça va et toi? Merci Yuzaï pour le follow. Merci beaucoup. Bah, l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh, c'est vrai, c'est là qu'on va. J'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein? Ouais. Deux secondes. Parce que la caméra là, elle va vous faire chier pour les sous-titres et ça va râler. Je vais la mettre dans le coin là. Parce que sinon, on va encore me dire que Xabab, tu peux couper ta caméra parce que franchement, on voit pas le jeu et ça fait chier. Tu peux enlever ta gueule? Le spoil, c'est ban. 10 minutes minimum. Spoil égale ban de 10 minutes minimum. Parce que je vais pas me prendre la tête avec les spoilers. Si vous cassez les couilles, petit ban. Que ce soit un vrai spoil ou un faux spoil. Voilà. Que ce soit un vrai ou un faux, c'est ban. C'est Lugis. C'est Roshi, comment ça va? Parce que je me prends pas la tête à trier les vrais spoils et les faux spoils. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Mais quel rapport Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? De quoi tu parles? Grave, bienvenue. Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse? C'était un de ces mecs. C'est ça, Roshi. Qui refuse d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben, ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle. Mais ils parlent de quoi? Ils sont bourrés. Je vais essayer. Tu peux bouger ta caméra, on te voit pas. Bah elle est sur l'écran donc si. Enfin, c'est Anaël. On te voit pas. Prendre la brochure, prendre la carte. On va prendre la carte, hein. Ah, voilà. C'est quoi ça? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la caméra, on dit qu'on me voit pas encore? Ah mais oui, parce que vous êtes sur mobile et vous avez le chat ouvert, donc on va la mettre là. Vous avez le chat ouvert, du coup vous me voyez pas. Pff, putain, ça va être compliqué hein, ce matin. C'est bon? Ou est-ce que là je dois la couper la caméra, comme ça vous êtes tranquille au moins? Est-ce que je la coupe? Comme ça au moins c'est bon. Ouais, rigole. Prochaine étape, je la coupe et je ferme ma gueule. J'enlève le micro, normale. Comme ça, c'est bon. C'est ça, la carte normale. Celle du téléphone. Ban Def, Shamrock. Dans le doute, lui, même, tu peux lui mettre plus. Évidemment. Je pense que lui, c'est un vrai spoil. Il s'est vraiment gavé. Voyons voir alors. C'est quoi le jeu? C'est dans le titre. C'est une Inkle Prod. Colo sur les cartes. Et t'as pas vu ton panneau? Hé, hey, regarde la route. Wow! Wow! Y'a Mowgli tout nu! Il
Mais il est... attends, il était sur la banquette arrière. Merci, Platinum. Il était sur la banquette arrière, le machin. Il y avait un truc sur la banquette. Il y avait un truc sur la manguette. Il y avait un truc sur la banquette. À un moment, j'ai pas déconné. J'ai pas déconné, il y avait un truc sur la banquette arrière. Non, il y avait pas. Si, si, il y avait, arrêtez. À un moment, vous voyez, il y avait un visage. Oh, c'est badant un peu. Merci beaucoup, Kleenex Vert, pour le follow. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Non, t'as jamais vu d'ours de sa vie si tu penses que c'est un ours. Il est con, lui. Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Bah, pas un ours, déjà. C'était quelqu'un. Il était sur la banquette. Oh, sérieuse? On a renversé quelqu'un? Non, il est con. Max meurt. Je l'aime pas, il est trop con. C'est le souche. Vraiment prêt, mais peut-être qu'on a pas. Non, mais il est aveugle, c'est Gilbert Montagnier, Max. Oh, c'était un ours? Oui, oui, c'était. C'était pas un dragon blanc, géant, avec des ailes? Complètement barjo, Max. Il va mourir. Tu vas mourir. La voiture est foutue. Oh, étonnant. C'est peut-être pas si grave que ça. Oui. Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils dans le coffre? Ouais, bouge pas. Oh, quand il va redescendre le capot, il va se passer un truc. Sûrement le Dahu, oh le fameux Dahu. Les ours sont petits, maigres et recrutés. Ah, on peut marcher. Ok. D'accord. Bah, je vais fouiller, oui, j'ai rien d'autre à faire de toute façon. C'est Gaming et salut Elvilia. Comment ça va? Ouais, d'accord. D'accord, il a été refusé à l'université, mais il l'a caché à sa meuf. Ah, merci. C'est Grimator. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Mais il est où Gollum, là, qui était recroquevillé sur la route? J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. Et la meuf qui était derrière nous? On est tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Elle est con aussi. C'est ce 16. Ils sont tous cons. Listen. Merci Milutoan Gaming pour le follow. Ils sont tous les deux cons, c'est le couple des débiles, eux. C'est le genre. Mais attendez. C'est le couple de débilos, là. Oh, oh. Ça, Max, c'est... Max, il va faire... Non, c'est rien, c'est un ours. C'est un vieil ours. Max, il va voir ça. Ça sera un ours. Tu vas où? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok? Oui, non, mais va pas vers la forêt. Mais va pas suivre la vieille qui est... Non, non, vas-y, non, on n'y va pas. Non, non, on n'y va pas, sois pas con. Max, dépêche-toi. Non, c'est complètement débile d'aller explorer la... On a écouté les traits d'horreur de Squeezie. Tu vas pas dans la forêt toute seule quand tu vois des vieilles femmes. T'es blessée, je sais pas. Non, elle est pas blessée, non. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Les Rediff de Mario Galaxy sur YouTube, oui. Je veux juste vérifier. Ok, d'accord. Mais va pas trop loin, ok? Sois prudent. Ouais, ouais. Elle y va quand même, mais... Merci Réseau TBG pour le follow. Je déteste... Alors... Juste, pause. Je déteste ça dans les jeux à choix, et ça, c'est un truc qui m'agace. C'est les faux choix, du genre le jeu te laisse le choix ou pas du truc. Genre là, il te dit, soit tu peux obéir et ne pas aller dans la forêt, soit tu vas dans la forêt quand même. Et même si tu dis, bah je vais pas dans la forêt parce que ça pue la merde, le jeu te dit, ah, tu vas quand même aller dans la forêt hein, parce qu'on n'a pas prévu de script qui fait que tu restes à la voiture. Ça m'agace. Putain, je vous jure, ça m'agace ce genre de... J'espère que tout le jeu, c'est pas ça, c'est pas des faux choix à la con en mode, non mais tu fais le choix, mais en fait, on te laisse pas le choix à la fin, tu vois. Mais non. Enfin, c'est en effet, c'est Pokémon, quand le prof Shen, il te dit, tu veux prendre le Pokédex, tu dis non, il fait, bah tu vas quand même le prendre. Non, bah si, tu vas le prendre. Mais j'ai pas envie. Si, prends-le. Ah mais monsieur Shen, je vais être au chômage moi. Prends le Pokédex ou je t'encule. Moi je fais bah oui, mais d'accord. Merci pour l'eau Sacrago et merci Héloïse pour le follow. J'espère que c'est pas ça tout le temps hein. Qu'il y a des vrais choix et après c'est le prologue doit être un peu scripté peut-être. Parce que c'est le prologue. Le prologue va être plus scripté peut-être que le reste. Okay. C'est que ça c'est pas des personnages qu'on va suivre, ils vont sans doute mourir comme des merdes de ce que j'ai compris.
On est dans le prologue. Mais attends, elle y va toute seule. Mais d'où tu laisses ta copine aller toute seule dans les bois alors qu'il y avait des mecs chelous recroquevillés sur la route? Pourquoi tu fais ça? Mais vous êtes trop cons. Eh mais si vous mourrez, c'est tellement votre faute. Pourquoi vous faites ça? Dans quel intérêt? Where is le projet? Assurance. C'est qui a perdu Luxan? Rock Dunting Lone, c'était pareil. D'accord, je l'avais pas fait. Ok, j'ai trouvé un... une affichette. Je peux faire... Attendez, pourquoi? Arum Scarum, spectacle extraordinaire, voyant ces monstres, mystère et magie, évasion et énigme. Achetez vos tickets! Ah oui, en plein milieu des bois, un petit escape game là à minuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, non, mais il doit y avoir des choix qui changent vraiment les routes, mais là, tant qu'on est dans le prologue, les choix, ça va être des faux choix. Ça va être des faux choix. Et hé, le jeu, il a oublié de se brosser les dents, c'est The Carry. C'est le ardent. Oh putain, est-ce qu'on peut juste rester sur la blague d'Elvilia? Qui est pas mal. C'est bad. Non. C'est Sariana. Comment ça va? Oh putain. J'étais pas prêt à la lire celle-là, mais... ça passe. Non, le bad, abusez pas. Un petit badoum de Shamrock, peut-être, à la limite. Un petit badoum de Shamrock. C'est un petit peu tout. Si Shamrock a un petit badoum, je le laisse faire son petit badoum. Mais bon, elle est pas mal. Le jeu qui a oublié de se brosser les dents, c'est The Carry, oui. Ban de 1 minute à la rigueur. Les alertes, pas bits. Comment ça? Pas de badoum. Ok. C'est Terminator. Si, il y a les alertes de bits. Si jamais ça vous fait triper, moi je serais un peu flippé. Coffre du roi de l'évasion. Mais je peux pas fouiller le coffre? Bah, laissez-moi fouiller le coffre. Ah, des menottes! Oui, mais c'est rien, c'est... Moi, dans les catégories du live, t'as mis partie avec les spectateurs. Parce que j'ai pas dû l'enlever depuis Mario Kart, et je passe pour un connard. Voilà, c'est pas grave, merci. C'est l'oubli. Bon, allez, on va bouger, il y a un... Non, mais il y a juste un... C'est quoi, après tout, un coffre avec une camisole et des menottes en pleine forêt? C'est rien. C'est rien. C'est le canard. Enfin, qui n'a jamais caché un coffre avec des menottes et une camisole en plein milieu de la forêt? Hey, Lutien, comment ça va? Moins bourré qu'hier? Oh, sa mère la pute! Hey, merci Alex pour le follow. Elle m'a fait un peu bader. Oh putain. Non, y a pas Silas. Silas, il est pas là. Il est au marché, il achète des pommes. Fous-lui la paix. Lui la paix à Silas. Je sais pas, bon, juste extrêmement. Est-ce que je peux mettre les clips sur TikTok? Tu m'autorises à faire des petits montages et à les mettre? Parce que c'était très drôle. C'est MDR, bienvenue. Mais elle est tellement conne d'aller dans la forêt toute seule. Mais qu'est-ce qu'elle est con, elle! Bonjour Goku. Non mais si tu te fais latter la gueule, c'est pas... Oula, il y avait un truc en haut. Il y avait un truc. Lutien, tu m'autorises ou pas? T'as le droit de dire non. Où êtes-vous? C'est là. Ah, let's go. S'il y avait des trucs, c'était drôle. Ta grand-mère. C'est un film, non? C'est un jeu. C'est une Trialex. Baisse-toi. Je me demande ce que ça fait si je me prends la branche, je meurs direct comme un con. Non. Saute. La branche, voilà. Il est beau ce jeu. Bah en même temps, après c'est... C'est très cinématique QTE, donc heureusement qu'il est beau, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Oh bah, je suis allé dans la forêt, et il y avait des trucs bizarres, comme prévu. Mais on pouvait le prévoir dès le début, mais comme je suis con, j'y suis allé. C'est pas des animaux, il est con, lui. Lui, il est toujours resté sur ses ours. On y va, ok.
Lui, il est focus sur ses ours. Depuis le début, pour lui, c'est des ours. C'est juste un gros ours. Déjà, juste un ours, quoi. Juste un ours. Un ours, ouais, tu le croises dans la forêt en pleine nuit, je suis pas forcément rassuré, j'avoue. T'inquiète, on dégage d'ici. Je vous rappelle qu'elle peut monter sur la banquette arrière, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Max, j'ai juste... Laisse-moi une minute. Au moins, on comprend pourquoi il a pas été pris à l'université. Ah, ça. S'il te plaît, j'essaie de nous sortir d'ici, mais c'est... Arrête, putain. Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. C'est bon, ça va. On dirait qu'il s'est chié dessus, Max. On est en sécurité dans la voiture. Oui. Putain, merde. Oui. Oh putain, c'est badant un peu. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Mais baisse pas la vitre. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais y'a pas un agent en plein milieu de la forêt comme ça. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est forcément... Non, ils sont cons. Mais t'es en plein milieu de la forêt, en plein milieu des bois, d'ouf, t'ouvres ta vite, y'a pas un flic qui pop, c'est impossible. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Oui. C'est quoi ce chemin choisi? Explique-moi. Je vous rappelle, les spoils et les backseats, enfin surtout les spoils pour le jeu, sont ban direct. Parce qu'il y en a qui s'amusent à spoil déjà au début. Il y a des mecs qui sont passés juste pour essayer de spoiler. Avec tous les risques qu'elle comporte. D'accord. Il y aura des moments au cours du séjour où vous verrez que les décisions prises, la voie empruntée, auraient pu être. D'accord. À Kate Squarry, il n'existe pas de mauvais choix. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de faim. Mais sachez que. Certaines voies sont plus dangereuses que... Bonjour Quatrinx, comment tu vas? Quatrinx. C'est Bachiri Sam. Salut Nat John. Ok. Ok, j'ai pigé, faut juste faire des choix quoi. On a fait un écart. Je vais rester évasif parce que je lui fais pas confiance. Eh ben, on conduisait et il fait vraiment, vraiment très sombre par ici. Et je sais pas, on a dû rouler dans un lit de poule parce que... On est sorti et on s'est retrouvé là. Franchement, les routes sont mal entretenues par ici. Mais regardez, il a du sang ouais. En plus. Il a du sang là. Monsieur. Il a du sang. Laissez tourner le moteur. Et encore des noisettes. Merci Caperu Zalexan pour le sub. Merci beaucoup dans cinquième mois. Merci énormément. J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Merci beaucoup. C'est Maxence. Courage, Lobby. Ça va le faire. Ça va le faire. Au moins, lundi, t'es débarrassé. Merci beaucoup, Romsito, pour le follow. Mais il nous aide, là. Attendez, je suis sûr qu'il est pas net, le flic. Genre, une couille à couper qu'il est pas net. Il m'en reste plus qu'une, donc il y a intérêt à ce bref, que ce soit... J'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route au beau milieu de la nuit. Bah, on a le droit, genre... Dans ce coin perdu. C'est Rome, c'est Rome, Cito. Ça va et toi? C'est Dark Sound, bienvenue à toi. On se rend au camp. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. Hein? On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance? Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez? Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Hey, listen! Merci beaucoup Dark Sound pour le follow. Je finis par recevoir ma commande, let's go. Vous n'atteindrez pas à Kate Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer. Hey, c'est Sinei. Merci Corodens pour le follow. Qu'on a prévu, monsieur l'agent. Non mais monsieur faites pas ce qu'il dit. Qu'on arrive et on a téléphoné. Mais on non, est sur... Madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Mais c'est un flic. On a le droit d'être sur la route. C'est... Non mais c'est légal. Sauf votre respect, on a le droit, genre, je sais pas, un flic peut pas te dire non, t'as pas le droit d'être sur la route. D'aller au motel. Bah non. Monsieur, je comprends pas, où est le problème? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Non, non, non. Pourquoi, non, non. Monsieur, elle a rien fait de mal. Mais tu veux pas démarrer le moteur là? Madame, je vous demande de bien vouloir sortir du démarre véhicule. J'aimerais vous montrer l'itinéraire. Bienvenue, Clorodens. Salut, Thunder Fox. Comment tu vas? Non, mais filez, filez. Non, non, on dégage. Mais non, sors pas!
Restez dans le véhicule. Sors pas, mais il est con. Ils sont cons comme des bites. Ça se voit qu'il est pas gentil. D'accord. Déjà, il a un grand front. Les gens avec les grands fronts, ils sont jamais très sympas. Sors pas du véhicule. Ok. Alors, on est... Pourquoi il a fait ça? À peu près là. Tu vois, parce que tu portes pas la chaleur. Moi, j'ai une clim, donc ça va. Le courage. Ici. Et viens. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry, déjà? Il va les... Il... Eh bien... Je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Ils forcent trop. Dès demain matin. Ils forcent trop. Ah mais c'est un but pour, contre son camp pour les grands fronts, regardez. But contre son camp. But contre son camp. Je fais partie de la team grand front. Putain. Perso, je lui fais confiance. Il y en a qui lui font confiance dans le chat. Il y en a, vous pensez que le flic les réglo? Harbinger, restez sur la route. Attention au nid de poule. Vous voulez une déposition? Une bonne soirée. Du coup, on n'a pas le choix d'aller au motel, visiblement. Mon flic, c'est mon bébou, je le gnoni. Des malades. Ils ont pas un GPS. On est en quelle année? Bah, je pense qu'on est... C'est contemporain, hein. C'est ce que je vois. Oh, putain. Pourquoi il reste planté là, ce taré? Parce qu'il est fou. Ce type était flippant. Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de doses. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là. Tu crois que... Bah c'était du sang. C'était du sang. C'était un plaisir. Rigolez pas, rigolez pas, ça va mal se passer. Non, on est en quelle année si quelqu'un savent. Très bien. Est-ce que quelqu'un sait en quelle année on est, si vraiment c'est pas le cas, si c'est pas contemporain? C'est no name. Pour ce soir. Merci bien. C'est clair. Alors, où est le motel? Ok, bon, on est ici, et le motel est là. Ok. 2021-2022, ok, bien, c'est bien ça. C'est quoi? Merci, fan de Stanzo, pour le follow. Bien ce qui me semblait. Bah, vu les portables qu'ils avaient et tout, de toute façon, tout à l'heure, ils faisaient tomber le portable. Et le portable, c'est un portable d'aujourd'hui, quoi. C'est pas un portable qui date, ne serait-ce que d'il y a 5 ans. Pas mieux d'écouter son... Donc c'est, c'est carrément en ce moment. Merci Miss TNT pour le follow. Qui nous a dit en plein milieu de ses voix flippants d'aller à un motel flippant. Non, c'est pas les années 90, ils ont des iPhones. On va reprendre la route, ok. Stephen Dustin, bienvenue à toi, merci beaucoup. Non, c'est Dr. Felix. Je te jure, s'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air. Non, mais c'est pas les années 2000, vous avez vu les portables qu'ils ont. Arrêtez. Ils ont des portables, c'est pas des portables des années 2000. 20 ans, c'est un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien. Mec, ils ont des iPhones, écran tactile et tout. Et vous êtes là. Oh, bah, ça date des années 1990. Hein. Hey, listen. Ouais, on avait pas les mêmes téléphones en 90. Salut Mathilde, merci pour le follow. Le jeu en mode ACAB. Ouais, je sais pas si ACAB, mais celui-là, ouais. Celui-là, oui, en tout cas. Ce flic-là, zéro confiance. Mais on est allé au motel comme des connards ou pas? Ah non! Mais fallait peut-être l'écouter. En fait, il avait peut-être raison. La route et y a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer. Mais ça se trouve, il avait raison, il voulait nous protéger en fait. Ça se trouve, il était vraiment sympa. C'est ça que ça change. Ça se trouve, il était sympa et il voulait nous dire n'allez surtout pas là-bas parce qu'il va se passer un sale truc. C'est ce bad builder. Attends, on l'a peut-être mal jugé. C'est Nidal. Et comment j'aurais pu le savoir? Ah, on l'a peut-être mal jugé. Enfin, il y a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd. Pourquoi il y aurait une épave? Ouais. Dans la voiture. Max. Pas du sang sur la gorge, peut-être qu'il s'est battu avec les bestioles dans les forêts, je sais pas. Max, sois pas con, tu lui en demandes beaucoup quand même. Parce que depuis le début de l'aventure, et ça fait pas longtemps qu'on le connaît, c'est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Max. Hein. C'est pas la bite la plus dure du gangbang, le mec sous. Ah, il y avait un truc à explorer là. C'est même avait l'air. D'accord. Ok. Cabane dans l'arbre. Ok. Ok. Aussi, c'est Anna pour l'eau. Ah, Van Geluk pour le VIP. Sympa. Faudrait que je file les droits d'administrateur à Lutien pour te le donner. J'essaie de te filer ça à la fin du live parce que ça va être compliqué. Merci Nidal pour le follow. C'est Sakito.
te donnerai le VIP à la fin. Mais il y a une porte vraiment éclairée là-bas, faut aller là-bas. Hein. C'est pas le fromage le plus affiné du tiroir, Max, oui. Ah oh, non, pourquoi j'y vais, je suis con. Hein. Moi j'y vais, j'ai du courage. Vous avez eu les le portable qu'elle a hein, pour les années 1990 quand même, d'après le chat. On est sur du... beau portable. Hey, merci tuteur pour le follow. Bienvenue. Wow, c'est quoi? C'est un chien? Non, hey. C'est... non, c'est un mec hey, tout nu. Vous allez bien? Le mot utilisé, Mathilde, tu peux l'éviter, s'il te plaît. Bonjour, ce qu'on fait. Bienvenue à toi. C'est à quel chapitre? Prologue. Je viens de commencer le jeu. Il y a 30 minutes. Max. Et salut, French Sue. Bonjour. Il y a quelqu'un dans la cave. Je crois qu'il est enfermé. Ouvrez pas la cave. Merci, French Sue, pour le follow. Ouvrez pas la cave. Soyez pas con. Apporte des outils. Ouvrez pas cette putain de cave. C'était le truc sur la route. C'est l'Octane. Je suis là. On va vous sortir d'ici. Non, non, le sort pas d'ici. Merci, Foxy, pour le follow. Le sort pas d'ici. J'ai pas, t'as dit des outils. Mais j'ai vu assez de films pour savoir que le sort pas d'ici prend la voiture et va au motel. Pour le coup, le flic avait plus ou moins raison. Allez au motel. Je vois personne là-dedans. Oh, si, là. Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Mais mets pas ton œil là. Moi, je mets pas mon œil ici déjà. Il va jump, jump scare. Non. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ok, ok, bon. Prendre le marteau. Oh, prends le marteau. Ok, il faut lui péter sûr, la gueule. Ah oui, je prends le marteau. Urgence. Et alors, quelqu'un est enfermé. Je m'en bats les couilles. Au moins, le marteau, avec le marteau, je peux mettre des grands coups sur la gueule. Mais par contre, moi, j'aurais pas ouvert. Super bruyant. S'il y avait un troisième choix, n'ouvre pas et barre-toi, j'aurais pris le choix, n'ouvre pas et barre-toi. T'as besoin d'aide. Ouais. C'est lui, Jean. C'est moi qui joue là? Ok. Ah, le fameux portable de 1990. T'avais pas dit quelque chose à propos de tes couilles et du flic? Non. Jamais vu, évidemment. Jamais. Non, non. Rappelle pas ça, s'il te plaît, je suis la carotte. Eh oh! Ah non, c'est une cinématique, je joue pas. Wouah, ça pue la merde. Mais n'y va pas, mais. Vous êtes blessé? C'est Firou. Vous existez? Porte de l'enfer dans les films. Ouais, je. Ouais, plus ou moins. Hey, fais attention. Merci Titilusura pour le follow. J'ai raté beaucoup? Non, pas beaucoup, on est au prologue. Oh! Des trucs chelous qui se passent. C'est quoi qui est tombé? Je vais aller le ramasser. Merci Didi pour le follow. Moi j'ai du courage. C'est Titi. Mais on est d'accord que dans la réalité... on se barre, tu vois. Ce collier ensanglanté semble être trop grand pour un chien. Qui appellerait son chien Yann en plus? Est-ce que ce serait pas la raison 99 de se barrer depuis le début du jeu? Parce qu'il y en a eu 98 avant, mais celle-là, c'est peut-être celle de trop, tu vois. C'est un collier pour humain. Genre, IRL, il y a personne qui reste. IRL, moi, je me barre, tu vois. Je monte dans la voiture, je trace ma route, je rentre chez moi, bats les couilles pour le job d'été. Hein. Enfin, Osef. Dans la vraie vie, on rentre tous chez nous, quoi. Y'a personne qui dit... Non, non, moi, je vais explorer la cave. Oh, la raison numéro 100 de se barrer. Max. C'est Brawl Star. La numéro 100 de se casser. Elle était là. Attends. Georges, on peut se barrer? Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Oui! Il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Oui, le rongeur, il a très faim alors, hein. Il a vraiment la dalle, hein. Il a des crocs comme ça, le rat. Allons au motel, on reviendra demain matin. Max, il faut vraiment qu'il ouvre une encyclopédie sur les animaux, hein. Parce qu'il a des gros problèmes. Moi, je le suis. Max, il a vraiment, c'est une souris, hein. Ah! Oh, papa. Max! Oh, mais oh! Ah! Bah voilà, c'est le rongeur, c'était la souris du Bengale, on l'appelle. C'est Darkarès.
Ouais, je pense que c'est... Qui c'est l'enculé qui a fait ça? Merci Netri et Alex pour les bits. J'abandonne Max. Merci Luox pour le follow. Merci Netri et Alex pour les 750 bits, mais... Au revoir Max. J'avais le choix de l'abandonner ou pas, je l'ai abandonné. C'est le flic. C'est le flic. C'est le flic. C'est ce fils de pute. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Putain, l'intro du jeu, elle est bonne, hein, je trouve. Quoi, Nim Roman? Merci, Makira, pour le follow. Netri Alex, tu m'as fait un peu peur, quand même. Non, je pense qu'on pouvait pas faire beaucoup de choix, là. Le jeu, il est assez scripté pour l'introduction. Le Dark Arise, ça va, toi? Elle est bien, mais elle est trop longue. 25 minutes, pour vous, c'est long en termes d'introduction? Salut, Allo. Merci, Allo, pour le follow. C'est trop long pour vous, 25 minutes d'intro? Ouais. Pas des masses, quand même, hein. Tu vas finir le jeu ou pas? Oui. Ce live, je sais pas, mais je vais finir le jeu, oui. Il a tué la meuf, le flic. On sait pas. Techniquement, on sait pas. On sait pas. S'il a tué la meuf ou pas. On sait pas du tout s'il a tué la meuf, on va regarder après. J'ai pas vu les 25 minutes passer, moi je trouve que c'est rapide. Hein. Les modos, il y a eu un... Tout à l'heure, il y a eu un vrai spoil dans le chat. Il y a eu un vrai spoil d'un mec qui est juste passé, voilà, il s'était fait ban def, ok. Ok, ok. Parce qu'il y a un mec, il avait vraiment spoil, il y a un mec qui m'avait spoil la mort de Max, du coup. Qui était venu sur live juste pour spoil. Il doit y en avoir, parce que comme c'est un jeu à histoire, il y a des gens qui vont juste venir spoil, les modos. Je compte sur vous, dès que vous voyez premier message dans le chat et que ça parle direct de l'histoire pour balancer des trucs... Je compte sur vous pour spoil comme des cochons. Enfin, pour ban comme des cochons. Voilà. C'est Nystel. Et ça y est, Xerox. C'est quoi le but du jeu, les gars? De suivre l'histoire. Et le jeu, c'est The Curry, c'est dans le titre. C'est Bob le Seb. Non, parce que déjà, tout à l'heure, il y en a un qui est arrivé qui a dit « Max va mourir et se transformer en monstre !» J'étais là. Ok. Cool. Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Débat parallèle, mais elle est pétable, hein. Oui. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. J'attendais, oui. Et je parlais du corbeau, hein, calmez-vous, par contre. Ce ensemble sera instructif. Ne vous en faites pas. C'était la vieille dans la forêt qui parlait, je suis à Silas. Pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui. Et terrible. C'est Liam. Mais... Avec du courage, et bien sûr votre autorisation. Allô Yacine. Je vous aiderai. Non, je mets pas le chat en emote seulement. C'est juste, bah, les gens vont se comporter vous correctement. Vous n'avez rien trouvé, et en retour, je n'ai rien à vous montrer. Cherchez un peu mieux. Si, elle ressemble à la prof dans Little Nightmare, totalement. Si merci Yoshi pas, pour le follow. Comment pourrais-je vous aider? Mais qu'est-ce que, c'est qui elle? Elle sort d'où? Nous sommes du même côté, et vous le savez bien. Cherchez mieux, vous seul les trouverez. C'est très chaud. Les lives The Last of Us, ils commencent quand on aura les 75 000 follow. Des secrets et des mensonges. Ou pas tout de suite. Des chemins à découvrir que je peux éclairer. Tant que le follow goal n'est pas atteint, je commence pas les lives The Last of Us. Principe. Laissez-moi vous aider. Salut Nicole Prod. Ciao ciao. Ce qui ne nous tue pas. Mais elle a l'air sympa, elle. Hein. Elle a l'air sympa. Elle dit je suis ton ami, tout ça, tout ça. Elle a l'air sympa, hein. Je sais pas si le flic, il était sympa ou pas, en soi. Parce que le flic, il a quand même tiré sur Max, il a peut-être abrégé ses souffrances.
Et la meuf, il l'a pas tué, donc le flic, il était peut-être cool. C'est leur tour. C'est Titou. Le flic, il était peut-être cool, en fait. Hein. J'arrive pas à savoir si le flic était sympa ou pas. Ça m'a envie de faire griller des marshmallows, ça. Ça me fait trop penser à Until Dawn, c'est dans la veine. Enfin, le début du jeu, mais ça va, le prologue était pas long, hein, vous abusez. Hein. Vous abusez à penser que le prologue est trop long. Vous voulez quoi, des jeux qui se finissent en 3 minutes, des jeux mobiles où il faut tout de suite de l'action. Le prologue était pas long. Hein. À plus. 25 minutes de prologue, c'est rien du tout. On se revoit bientôt. Ouais, Hackett Squarry déchire tout. Donc ça, c'est tous mes potes. Je suis qui, moi? Moi, je les joue tous. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier. Le jeu de No Name, je t'ai dit, c'était dans le titre. Salut Space, à t'arrive de la story d'hier. On ne sait jamais. Enfin, on ne sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. L'univers. Ouais. On ne sait pas encore, Don Paber. On ne sait pas encore. De l'espace cosmique. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Il y a rien à dire. C'est vrai. Elle est stylée, elle. Oh, ça va. Ça va super bien. Elle, je l'aime bien déjà. Lui, il a l'air d'être un kéké basketteur. Il me saoule déjà. Lui, c'est un kéké football américain. Arrête. Sûr, il est quarterback à son lycée, à high school. Salut. Sûr. Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Ah mais je joue le quarterback? J'ai pas envie. Allez, les sacs, Jacob. C'est Jacob, ok. Je fais quoi, moi? Donc là, allez, allons dans la cave. Est-ce que si j'y vais direct, il se passe un truc? C'est un petit peu con. C'est un petit peu con ce que je fais. Ça va, t'es qui, toi? Tu devrais pas te reposer ici. Hé, hey, qu'est-ce que t'écoutes? Intéressant. Ok, donc toi, j'espère que tu meurs. Tu ajoutes à peu près tous les personnages où je me dis qu'on va jouer à peu près tout le monde. Et suivant tes choix, certains vont survivre ou mourir, de ce que j'ai compris. On peut pas aller dans la cave, un peu déçu. Un petit peu déçu, moi je voulais visiter la cave. Je me dis comment on peut finir le jeu plus rapidement. Tu vas dans la cave direct, tout le monde meurt, hop, on passe à autre chose. Et on va jouer à Power Wash. Qui a aussi du lore, hein. Qui a aussi du lore. C'est Nono. Comment ça va? Allez, on monte. On monte. Mais là, je fais quoi? C'est pas vrai. Hé hey. Hé, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? Ah, en fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas, c'est... Il me reste des sacs je à descendre, ce sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. Je peux gifler Dylan. Cool, merci les gars. Oui, c'est vrai que c'est pas obligatoire. De ce que j'ai vu, en fait, certains personnages vont mourir, mais ça va vraiment dépendre de tes choix. Bah du coup, je vais me faire foutre. Donc là, je vais remonter les sacs tout seul. Elle fait rien non plus. Hein. C'est mini-dag. Là, je pense qu'on reprend le lendemain, en fait. Il devait arriver le lendemain au camp en tant que moniteur, les deux. Et eux, c'est les moniteurs qui ont dû arriver le jour même. Pas en avance. Et du coup, on doit reprendre à ce moment-là. Donc Max, à mon avis, est bien mort. C'est pas agro, essayez le stratège nul déjà. Qui? À ton avis? Eh bah, trouve un autre accès. T'es un grand garçon. C'est une victime. C'est une victime, lui, un peu. C'est l'Indral. Bon, du coup, on joue victime. Jacob, la victime. Qui se fait victime par absolument la totalité du camp. Personne ne l'aime. Merci Neistel pour l'eau. Il y avait qui dans le bus alors? Il y a un bus qui est parti, bah il a amené peut-être, je sais pas. Bonne question. Ouais. C'est quoi ce bordel? Je peux passer par la fenêtre? Mais c'est quoi? Pourquoi il se fait victime comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce début de jeu?
Et à qui elle appartenait la voiture la veille? Oh, la lecture. Salut Vaiveva, comment ça va? Je déteste l'horreur. Je pense qu'il y en a pour beaucoup de temps, je sais pas. Yosin, je crois que c'est une dizaine d'heures le jeu, entre 8 et 10 heures. Ça se trouve, on le fait en un coup, en deux coups, on verra. J'explore. Il marche vraiment avec un petit balai dans le cul, hein. Oh, c'est joli. Mais c'est sympa en vrai, c'est cosy et tout. Il y a un truc par terre, j'aime pas. Je peux ramasser le truc par terre? Non, je vais me faire foutre. En vrai, c'est ultra... Pourquoi c'est comme ça? Mais attends. Ah, mais c'est que le camp est fini? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je descends les valises, moi? Attends, je comprends rien. C'est bon. J'ai les sacs. Cool. Et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine. T'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah. J'essaye de comprendre en fait. Ils quittent le camp, ils arrivent au camp. Non, ils quittent là. L'histoire avec Emma, je me trompe. C'est les ours de Xabab. Comment ça va? Trop mignon le pseudo. Et toi, on va être taquin, on va pas être défensif. Ah d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte toute l'histoire, hein. Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi... Non. T'allais me raconter à moi comment toi... Ils quittent le camp, le bus, c'est les enfants qui quittent le camp. D'accord. Attends, tu veux parler de Ryan, le moniteur de voile, avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Je le savais. Je m'en suis jamais caché. D'accord, mais je voudrais juste comprendre un truc. Si tu flashais vraiment sur ce mec, pourquoi t'as rien tenté? Mais je comprends rien à ce qui se passe. Alors elle t'a juste... J'ai envie qu'elle meure quand même pour ça. Cette ligne. Bon, ok. Elle était en mode... Donc lui, il était avec Emma, mais Emma a rompu avec... Blablabla. Bla, bla. Et de mon côté, j'étais plutôt... Peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait... On va pas se taper vos histoires d'amour, je m'en branle. Jacob, elle t'a fait le regard... Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Peut-être que ça me plaît, voilà. Ok, tu sais quoi? T'as peut-être raison. Peut-être qu'elle a une espèce de... d'emprise surnaturelle sur moi, mais je vais te dire... Peut-être que ça me plaît. Leur histoire d'amour, j'avoue, moi je veux savoir ce que c'était le monstre dans la cave, tout ça. Tellement pas dans le déni. Check. Ok. Waouh, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie dans le coin. Excuse-moi. Je dis juste que peut-être que certaines filles ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. Quoi? T'es un vrai charmeur, tu sais ça? Thunderkill. Exact. Ouais, quoi. Et ouais. Si je le voulais, je pourrais même charmer un serpent. Ça doit être... Oula. Le truc le plus débile que t'aies jamais dit. Non. J'ai dit bien plus débile. Oui, ouais. J'en suis persuadé, oui, qu'il est... On peut dire plus débile. Tu es sur le platine de Hat in Time? Non, j'ai pas eu le temps encore. C'est Vicola Chips. J'ai pas eu le temps cette semaine. Mais je vais avancer ce week-end, je pense. Plus au grand air risque d'avoir ma peau. Eh, ce qui ne te tue pas... Te rend plus putain, il fait trop chaud. Regarde, toi je t'ai pas tué encore. Mais il fait trop chaud sa mère. Lâche-moi. OK. OK, donc c'est une simple hypothèse mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici. Je devrais faire quoi au juste? Fais pas ça. Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou... Je sais pas. Ah d'accord, ok, donc le camp s'est déjà passé et là il faut qu'on rentre et chez nous. Tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc... Chez moi il fait 30 degrés, Nice, il fait pas très chaud encore. Et j'ai la clim mais... J'ai quand même chaud, c'est horrible. Jacob, avec le PC, la ring light et tout, ça chauffe. Même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ça... Fais pas ça, fais pas ça. Ouais. Fais pas ça, tu vas mourir pour une meuf. T'es con. Non? Couper l'arrivée de carb. Ouais, j'ai pas le choix, hein, de toute façon. Hein. Ok, bah allez, on va tout baiser. Juste pour rester. 32 ouais, quand je vais aller bosser, là je suis ravi. Ouf, courage. Ah merde. Je te remets à ta place demain sans faute. Mais ils vont le voir que t'as fait de la... Ah non.
Mais wow, ils sont cons. Mais ils sont tous incroyablement cons, c'est incroyable. On dirait qu'ils mijotent quelque chose. Ils sont tous très cons. Non, 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 mec, non, non, fais pas ça. Passe longue. Oh, Nick. Merde. Ah, putain, mais sérieux? Ah, je suis désolé, Jacob. Mais ils sont tous cons. Eh, peut-être que t'aurais dû le mettre en mode avion. Merde. Ça roule, mec? Fous-moi la paix. Oh, pardon, j'arrête, tranquille. Putain, ma mère va me défoncer. Ta mère? Oh ouais, au fait, dis-lui que je l'embrasse. Je te paie les réparations dès qu'on rentre. Ben, il est mort. Merde. T'as coupé l'essence? J'ai coupé l'alimentation, oui. Ils ont fait Xavier dans le jeu, arrête. J'étais sûr qu'il y aurait une remarque. Tout le monde a déjà oublié mon existence. C'est que l'entière. Je peux me passer de mon portable. Je viens pour dire bonjour, je pourrais pas rester. Les QTE, c'est pas ton truc? Si, ça va. Un jour, easy, les pas tant de route que ça. QTE, c'est du gameplay pour les nuls. Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux? Bah, y a Sasuke là-bas près de la cave. Ouais, et ben, je sais même les pas autres, quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi. Non, mais j'ai envie qu'ils meurent tous là déjà. C'est ça. Je les déteste déjà tous en fait. Y'en a pas un seul pour lequel j'ai un minimum de tendresse en fait. Ils m'agacent. Les 5 que j'ai vus, les 5 j'ai envie qu'ils crèvent. Genre, ils peuvent mourir là, j'ai aucune compassion. Second Order, j'ai plus de compassion pour Max. Alors qu'il était con, hein. août. Abigail. Abigail a l'air plus sympa, déjà. Abigail a l'air sympa. Ryan, c'est le meilleur pour moi. C'est qui, Ryan? C'est Flap, comment ça va? Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin... Elle, c'est Emma, c'est ça? Tap là, en haut. Ok. Yeah. Je rêve. Ryan, c'est celui avec les écouteurs. Sasuke? Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu. Ah oui, Sasuke, c'est Ryan. Perdu, infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Hey, laisse-moi. Merci Spirality Edgar pour le follow, bienvenue. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Abigail est cool. Moi j'aime bien Abigail. Et quand je parle de trouver notre chemin, clap, ouais. Réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Ok. Bah entrer par effraction, vas-y, on s'en branle. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Est-ce que monsieur Hackett pensera que c'était un ours affamé? Oui. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Non. Bah Max, il en a vu un. Hein. Trois. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux. Et pour le moment, on connaît... Trois. On connaît sept personnages. Voilà, c'est ça le pouvoir. Ça va se voir un petit de peu. De la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. Tu vas jusqu'à quelle heure, j'en sais rien. T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, non. Sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Mais voilà, les sacs étaient bloqués dedans. Ok, bon, je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on a rien oublié. Théo, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, ça. Hein. Le tabit a durci, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu sur le live. C'est... Ouah, c'est... Ok. On ressort les bons classiques, quoi. J'arrive pas à croire. Non, vous pouvez pas me dire le nom des monstres, le nom de quoi que ce soit, je me suis pas renseigné, je connais pas le jeu, je le découvre. Arrêtez de spoiler, le jeu a même à une semaine et vous êtes déjà en train de spoiler comme des cochons depuis le début du live, ne le faites pas, je ne regarderai pas. C'est Kidman. Arrêtez de backseat de spoiler, s'il vous plaît, je vous en supplie, vraiment. Une coupure du journal local, le North Kill Gazette, elle n'a pas l'air récente, une histoire d'incendie, est-ce que c'est passé ici à Hackett Quarry? Ok. Pourquoi les sacs étaient là? C'est Gelp! Pourquoi les sacs étaient là-dedans? Que je préfère Abigail aux osios d'avant. Oh! C'est la peluche d'Izzy. C'est une gamine qui l'a oubliée? Je veux jouer à un jeu! Qui achète ça à son enfant déjà?
Paul le lapin, il fait « Je veux jouer à un jeu !» Vas-y, je le garde. On va te ramener à Izzy. Je la garde. C'est la plus une gamine en plus. On garde. Voilà. C'est bon. Et on peut sortir. C'est joli, hein. C'est tout joli. Oh, elle a un sac, j'avais pas vu son sac, il est trop mims. Elle a un sac chauve-souris, il est trop mignon. Il est sorti quand le jeu la semaine dernière? Il est trop mignon son sac chauve-souris, j'ai envie d'aller partout. Putain, c'est vraiment joli. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Putain, c'est beau. C'est très beau. Je sais pas où je vais. Le jeu graphiquement est très très joli, ouais. Ouais. C'est vraiment propre. Après, bon, c'est un jeu QTE, à histoire. Donc les mecs ont pas dû modéliser des gros environnements, tout ça. Donc c'est plus simple que faire un open world, quoi, en termes de graphisme. Ouais, s'il vous plaît, essayez de comprendre que je veux ni spoil, ni backseat. Je découvre le jeu. Si j'y arrive pas, bah tant pis, c'est pas grave. Bah, je me plante et je fais pas une run parfaite. C'est pas grave, c'est une découverte. Si vous avez déjà fait le jeu, que vous l'avez déjà vu, H24, sur d'autres lives... Ça ne vous excuse pas sur le fait de me spoil ou de me vaccite. Je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir. Je découvrirai moi-même ce qu'il y a à découvrir. Et si je me casse la gueule parce que j'y arrive pas, bah c'est mon problème. Voilà. Merci beaucoup de respecter ça. Vous savez qu'elle a, ça va et toi? Quand tu vois le chemin mis à jour pour prendre un ours, tu sens que c'est important pour la suite. Pas forcément, je me dis. Pas forcément. C'est pas peut-être... Ça servira peut-être dans une scène, à un moment je me dis l'ours il parle, peut-être pour... peut-être que tu le lances à un endroit, pour bait le monstre, je me dis, peut-être que ça peut servir à ça. Salut McQueen. Il est sorti quand? La semaine dernière. J'ai répété ça 20 fois en 2 minutes. Oh, il y a un corbeau là. C'est pas la vieille? Elle habite là la vieille? Angelique, on s'en rappellera. C'est des bons souvenirs. Ou les modos me le rappelleront, ils le mettront sur Discord. Il fait quoi le corbeau? Il est un peu badant. Non, t'inquiète, pas de problème, Vatgeluk. Je l'aime bien, la petite Abigail. Qu'est-ce qu'il faisait, le corbeau? Il est un peu chelou. Mais je comprends pas trop. Je peux pas aller là, on est d'accord. Si? Tu joues sur quoi? Sur PC. Si, je peux regarder, c'est ça. Il y a une tronçonneuse. Ça sera sans doute utile pour la suite. Il va sans doute se passer un truc avec ça. Salut Whippix. Whippies, bienvenue. Comment tu vas? La tronçonneuse, je pense que... Ça pue. Xab, tu as une page BFM TV. Oui, j'avais été interviewé par BFM il y a quelques mois. Je suis déjà nostalgique de Max. Ou non, ça va Max. Max faisait un peu de sa gueule. Mais je peux visiter d'autres maisons ou pas? D'autres cabanes? C'est Dark Sasuke. Je peux visiter cette cabane? Et est-ce que vous savez ce que ça apporte la version collector, enfin la version complète du jeu, parce qu'il y a la version normale et il y a une version avec une version premium, on va dire. Est-ce que vous savez ce qu'il y a en plus dans la version premium? Est-ce que certains ont cette info? Ça sert à rien de visiter les cabanes une par une. Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'espèce de Squeezie ici? Ah, ça va me m'accuser de plagiat. Ça, je reconnais. Eh ben, Dylan va pas apprécier que les petits l'aient laissé là. Hein? J'en parlerai à Chris quand je le verrai. Des tenues des années 80, le festival du gore, des packs de filtres. C'est quoi le festival du gore? C'est quoi? Parce que je sais que j'ai la version premium, mais je sais pas ce qu'elle apporte. Ils m'ont filé la version premium et pas la version... Et pas la version normale. Du coup, j'ai fait, bon, ok. Mais je sais pas ce qu'il y a de plus dedans, quoi. Ça sert à quoi tout ça? Je sais pas ce que je fais trop. On va aller par là? Par là? Ok. Ok, ok.
Elle est vraiment bégette, Abigail. Quand tu mets le jeu en mode cinéma, les morts sont plus gore. D'accord, ok, ok, c'est tout. Et ils font payer ça plus cher. C'est un peu la douille, hein. C'est un peu la grosse douille, non? Je peux pas aller là. Je peux pas aller à la piscine. C'est pas du plagiat, même si Squeezie a déjà fini le jeu. Bah oui. Mais bon. C'est moi, Galcio. On sait jamais avec les gens. Je vais suivre le petit chemin par là. Ça sert à rien, c'est... Ah, mais il y a quelqu'un là-bas, elle est là-bas. Okay. Mets le mode cinéma. Non, je mettrai pas le mode cinéma. Le mode cinéma, c'est que tu n'as même pas le gameplay, tu as que les cinématiques. Je le ferai pas. Merci Brasier pour le follow. Si vous... Alors, si vous n'acceptez pas ma façon de jouer, je le rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui râlent, qui essayent de me backseat et tout. Si vous, vraiment vous n'êtes pas content de ma façon de jouer, parce que ça vous convient pas, parce que vous voulez pas voir le jeu comme ça, parce que vous l'avez déjà vu chez Squeezie, parce que vous l'avez déjà vu ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les redifs de Squeezie, quoi. Et puis voilà. Genre vraiment, il n'y a pas de problème. Je vous en veux pas, hein. Prête à y aller ? Non, j'ai pas vu des spoils. J'en ai pas vu. Les modos ont ban assez rapidement. Vas-y, on y va. Allons-y. Merci pour l'eau, Sacrago. Tu vas apprendre à courir. C'est pas méchant. Non, t'inquiète. Je le dis juste. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si rayonnante, hey, agaçante. Listen. Merci Wimpix pour le follow. Ils sont un peu clichés, les persos, quand même. Parce que t'as Ryan, l'introverti. Alors, tu fais semblant ? T'as la meuf là qui est un peu sûr d'elle, un peu en mode pain bêche. Elle c'est Emma, c'est la cheerleader, c'est la meuf populaire. Abigail c'est la meuf un peu renfermée, mais elle est hyper sympa, elle a un cœur tendre. Jacob c'est le grand mec au grand cœur, un peu baraque, il est quarterback du lycée. Et il y a Dylan et machin, c'est les deux trublions de service quoi. Ils ont pris une feuille à 4, ils l'ont divisé en 7, ils ont écrit leur personnage. Oh merde ! Attendez, merci Sushi pour le follow. Non, excuse-moi, je parlais au chat. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Elles sont pas ouf, les animations faciales. Bon, ça va, hein. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... ça, c'est nous. Toi et Nick... être différent. Demande-lui son contact. C'est qui, Nick ? Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça ? T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Allez, choupi, Abby, moi j'aime oh, bien. Oh, attends ! J'aime bien, j'aime bien. Le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Je sais pas. J'ai envie d'aller faire le tour autour du camp. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, bah les couilles. Yes. Okay. Elles, elles savent pas qu'il y a le monstre. Globalement, si je me mets dans leur tête, on est bon. Moi, j'ai bien aimé Matt, faire oui. Une pause. Oh, bah pas moi. Et puis mes pauvres abonnés. Nick, c'est le mec qui a cassé le tel de Jacob. Ah oui, c'est l'un des trublions, quoi. On va dire bienveillante, on va être bienveillante avec elle. Ah, elle est populaire sur les réseaux sociaux aussi. Oh là là. Est-ce que c'était un... T'as vu le prologue, oui. Charme et contagieux. Qu'est-ce que j'y peux. Je pourrais te suivre. Bah j'espère. Dès que t'es rentré, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Elle va un peu... Emma, c'est vraiment le style de meuf qui va mourir direct. Parce qu'elle fait chier. Mon coin préféré. Le feu de camp. Non, l'île. Elle est grave isolée, non? Ouais, c'est marrant. Un endroit grave isolé dans un jeu d'horreur. C'est de la fumée? Bah, on y va pas? On le signale aux autres? Ouais. Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp. Bah, elle est avec le quarterback, ouais. Elle est avec Jacob, lui tient. En parlant de ça, on devrait... Oui, vous avez vu le live de Squeezie, oui, je sais, d'accord, vous avez vu le Squeezie, je suis d'accord, je suis content. Putain, quand Squeezie fait un jeu, tu peux pas faire le jeu derrière sans te faire, sans que tout le monde te fasse la remarque, hein. Tout le monde nous attend. Je sais, vous avez vu Squeezie, ok. Nick, qui t'attend? Les autres? Je dirais la meuf superficielle, mais avec un bon fond. Ouais, un peu. C'est cliché, quoi.
Emma, c'est vrai, elle est superficielle, mais elle est gentille, tu vois. Elle aime bien les réseaux. Le POV, là, c'est... Il y a un mec qui nous regarde depuis la cabane de l'île. Ah, c'est rien. Dylan, entrée du camp de vacances de... T'inquiète, d'accord. Jacob, compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est... C'est toi, le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Oh là là, y a pas de réseau et on est vraiment perdu en plein milieu de la forêt. J'ai un peu de jus à Monsieur H avant de... Qu'est-ce qui pourrait bien se passer et... Oh, ben... Je viens de faire une blague de cul. Comme par hasard. Hey Nick. Hey, où vous étiez? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore là. Quand on lui parle de sa maman à Nick, on lui dit hey Nick, ta mère. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Je retire oh, le... Attends. La blague. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange elle pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Oui, non, mais on a compris. Une fois, deux fois, trois fois, ok, c'est bon. Cool. Emma, tu fais un peu la pute. Putain, l'ambiance de merde, c'est vrai, la fin de la colo. Coup de coude. Quoi? Oh, Abby, tu veux que... Ah, ouais. Ok. Je peux... Merci. C'est vrai qu'il y a une ambiance de merde à la fin de la colo. Tu sens qu'ils ont tous baisé entre eux. Il y a eu de la baise dans tous les coins. Ça s'est bien pécho. Ce qui est normal, quoi. Enfin, en même temps, colo de vacances, ils passent l'été au camp, il y a des filles, il y a des gars. Ils sont au milieu de la forêt. Oui, ils ont baisé, ça a baisé. Et du coup, à la fin, ils sont tous séparés et ils sont pas contents. Vous voyez du noir, hyper sexy et mystérieux. Oui, c'est Sasuke. Là... Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Putain, Ryan, il est... Oh, il est podcast, torturé. Ouais, c'est cool. Ouais, j'étais là... Ça parle de quoi? J'étais du métal. Je suis un peu mystérieux comme Sasuke. À la récré, je m'assois tout seul sur un banc et je marmonne des trucs genre Okamari no Suzuki. Ça veut rien dire, mais ça fait mystique. Les gens sont intrigués. Merci, Ryan, vraiment. C'est Missing Panda. Si vous avez la ref, bravo. Ça parle de moi? Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? On va être gentil avec lui. Tu crois que j'ai... Un podcast. Sois pas premier degré, Ryan. Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait Comment vivre avec une tête de cul. Oh mais arrêtez, vous êtes chiant. Vous êtes tout chiant. Avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit bizarrement. Sasuke, c'est presque le plus sympa avec Abigail. Les autres, vous êtes chiants. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui la folle de Hackett Squarry? Tu connais pas la folle de Hackett Squarry? Sinon, je demanderai pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squarry? C'est juste une histoire pour faire peur. Ah, je l'ai baffé avant la fin et il m'agace. On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois. Ah, c'est celle qui crie Silas, Silas, Silas. Les gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Eh? Ou comment tu es? Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett. En vrai, pour le moment, il y a Ryan que j'aime bien. C'est des conneries. Abigail. Jacob, ça passe encore. Les autres, ils m'agacent. C'est vachement intéressant. Vas-y, on va essayer d'être bienveillant à chaque fois. Mais à chaque fois que je suis bienveillant, ils s'insultent quand même. Quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés. Sans déconner. Ouais, enfin, pas... C'est okay. Pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là? Ouais, c'est ouais, bah c'est on monsieur H. Allez-y alors. Oh, monsieur H. Fichez-moi le camp d'ici. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme.
Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ses histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? C'est Guts. Des fantômes. La folle de Hackett's Quarry. C'est vous qui avez la clé, Monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement... Je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Oh, ça pue. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hey, Monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Merci GNLS. Mais il y a un dev qui a vraiment... Ils ont vu la séquence et ils se sont dit « Vas-y, on coupe là. On laisse sur cette gueule. » Non ? Vas-y, Ryan, on l'agace. Il va être chiant, Ryan. Sérieux, allez. Vous êtes carrément pas cool, mon wesh. Pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la Terre. Dylan, il se drogue. 100%. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. 5 minutes, juste 5 minutes. Je demande pas plus. Mais porter, charger ton portable 5 minutes, ça sert à rien. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... Enfin, t'auras quoi ? On se retrouve dans le van. 30 minutes de musique, grand max. Et encore ? Quel intérêt ? Bon, écoutez, on est pas mal, là. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré, au moins. Non, c'est juste, vous savez... À propos de cette histoire avec moi. On peut se barrer d'ici ? Une petite minute, il va falloir que je... Vous mettez du temps à partir, hein, ça va tous vous perdre. Mais là, on a vu tous les mecs, je pense. Y a pas d'autres moniteurs cachés, je pense qu'on a rencontré tout le monde. Allô ? Hey, listen ! Merci Kamiki pour le follow. Merci beaucoup. Vas-y, espionner. Quoi ? Ah, c'est jeune. Et encore des noisettes! Merci beaucoup, Nonor! Ils vont bientôt merci partir pour le quatrième mois! J'espère que tu vas bien. Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, il est pas net! C'est une perte de temps. Merci beaucoup, Nonor. Il est pas net du tout! Non! Il veut qu'on se barre le plus vite possible! Et l'autre, il a. Ah, putain, et l'autre, il a enlevé la batterie de la voiture, du coup, on peut pas partir. Téléphone, plus je mettrai du. Du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Ok, donc lui, il est pas net, clairement. Ryan, recule-toi. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. Oh putain, il est con. J'étais juste en train... Oh, il est con. Mais dis pas, je vous écoutais pas. Tu recules et tu fais... J'ai pas entendu ce que vous disiez. Oh, mais il est... Oh, il est... C'est bon, il est débile comme les autres. Ils sont tous cons. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Hey, listen. Merci Nanaïs pour le follow. Qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais. Et GG pour les 74 000 followers, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que... Dans 1000, on fait des The Last of Us. Est-ce que je dois... On les refait. Laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus parce que ma mère est pas vraiment présente et je vais pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. D'accord. Est-ce que tout va bien ? On peut lui demander. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? GG Xabab Pom Pom. Merci beaucoup, Kéber, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci énormément. Et en quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés. C'est Just Nailing pour le follow. Tu fais du bon boulot. Oui. Mais tu sais combien d'appels je reçois des parents ? Ah, plus que mentir. Ces lettres. Essayez de faire des tas de gamins terrifiés envoient chez eux. Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. C'est pas donc, faux. S'il te plaît, évite les histoires de fantômes.
Non mais quand il y en a vraiment, c'est différent. Désolé, je me rendais pas compte. On va être pardon, sérieux. On s'excuse. J'avais pas réalisé. On s'excuse. C'était c'est Foxy. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. Moi, je me rappelle d'Arcares. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok? C'est quoi? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Bah, non, oui. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Tu l'es. T'es au fond des bois tout seul avec la quarantaine bien passée. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? C'est Maître QTE. J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Putain, il a dit à l'abri. Mais il y a trop des bails chelous. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de... Oui, c'est vrai, ça passe. Excuse potable. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. Non, mais on sent qu'il veut vraiment être sympa avec eux et les virer. Merci beaucoup, Lucien, pour le sub offert à Hannibal ce Cannibal et pour le train de la hype. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît... Mais coucou Atsuko, puisqu'il y a un train de la hype, et c'est la première fois qu'il y a un train de la hype depuis que j'ai rajouté la nouvelle emote, est-ce que vous pouvez spammer, voilà, vous le faites déjà, spammer l'emote train de la hype, puisqu'on a une petite emote train de la hype. Merci beaucoup pour le train. Merci Aimery Bessin pour l'eau. Les cheveux, ils bug sa mère. Les cheveux du moniteur, enfin pas du moniteur, mais de l'autre, du vieux, ouais, il y a des petits problèmes de texture. Merci beaucoup pour ce spam. Merci beaucoup. Cette belle emote, en plus, tout le monde là. Au revoir à Caleb et Kylie pour moi. Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Ça me fume. Et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger vu qu'on manquait de bras. C'est vrai. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Hey Jaxim, je leur dirai que tu regrettes. Allez, c'est bon, le spam. On arrête. Bon, petit à petit, ça va se calmer, hein, les modos, évidemment. On arrête le spam, c'est bon. Les clés dans ma poche. C'est bon. Ah, Lucien, supprime pas, ça va se calmer tout seul, je viens de le dire. Ça va se calmer. Allez, on arrête. Vous êtes gentils. Si les gens redonnent des subs ou des bits, vous pouvez respammer à chaque fois, mais là, c'est bon. Allez, en route. S'il y a des nouveaux dons pour le train live, vous pouvez. Là, on calme un peu le spam. Ah, c'est pas des emotes que t'as supprimé. Ok. Salut Waldito. Bon week-end à toi. Tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Elle est trop belle pour qu'on la supprime. Bah, voilà, exactement. Les policiers dangereux, ils sont tous bizarres. Il est pas flic, lui. Je pense que c'est le responsable du camp. Salut les caribous, c'est cool. Lui, c'est le responsable du camp, il est pas flic. Je suis pas un pingouin. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle. Arrêtez de m'appeler pingouin, je vais vous calmer. Hein. Et lui, il a fait de la merde. Sur le passé, moi. Tant mieux. Mais du coup, le jeu, il va durer qu'une nuit parce que... Et de reprendre le cours de vos vies. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre con, là, Jacob, il a enlevé le... la batterie du... Enfin, je sais pas, il a fait de la merde dans le moteur. C'est quoi, le problème? Du coup, on peut pas repartir. Et on va passer la nuit ici. Sauf qu'on peut pas passer la nuit ici. Et on va tous, mourir. Il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Putain, quel con, Jacob. Mais t'es vraiment con, juste pour pécho Emma. Il est mort. Peut-être que tu t'es mal. Tu me cherches ou quoi? Assez. Arrêtez. En vrai, le shérif, je pense qu'il sait ce qui se passe et il veut les protéger. Oui, je pense aussi. Merci Gala pour les 100 bits. Oui, je pense qu'il est sympa. Je pense qu'il est sympa, le shérif, le responsable du camp. Je pense qu'il est cool. On va voir. Hein. Il y a plein de commandes sur cette chaîne. Comment ça? Merci pour tes bits en tout cas. Non, mais je pense que lui il est sympa, oui. Eh, mais doucement! Eh, stop! Eh, putain! Jacob il est cramé, oui. Écartez-vous tous, vite! Oh non! Attends, va y avoir un QTE. Barre-toi, Jacob! Jacob, barre-toi! Mais il est con! Stop! Je m'en occupe! Il a carrément pété la. Il est. Ah, oh, j'aurais dû juste enlever la bougie, ça aurait. Mais non, mais. Mais pas d'eau dessus. Mais c'est débile. Tu mets pas de l'eau sur du feu. T'as un moteur qui crame, tu vas pas mettre une bouteille d'eau dessus. Il est con. Mais ils sont tous cons. C'est incroyable. T'as un moteur en feu, il a... Oh, j'ai un peu de vitel.
Non. C'est bon. Non, arrête. Merci, on va le BG pour le follow. Hey, listen. Et merci Tom Tom Speedy. Tu fais... Oh, un incendie dans un immeuble. Ah, mais heureusement, j'ai mon Evian. Ok. À Indral, ils sont dans un camp, il y a des trucs... c'est la fin de... C'est la fin du camp d'été, les gamins sont partis et les moniteurs doivent repartir chez eux, sauf que Jacob a fait de la merde pour rester une nuit de plus. Ah non, merde, c'était en haut. Grave. Oh, raté. Oh, je vais lui mettre une claque. Oh, je vais lui mettre une putain de claque dans sa gueule. C'est chez qui? Hey, Ryan. C'est comme les gens qui pensent que quand un truc prend feu dans la cuisine, faut mettre de l'eau. Ne mettez pas d'eau sur le feu, en fait. Surtout quand il y a de l'huile avec. Assure-toi, quand il y a de l'huile et que tu mets de l'eau, ça va juste projeter l'huile autour de toi et tu vas juste tout brûler et tu vas répandre l'incendie. Le mieux, c'est d'étouffer le feu avec un torchon, avec des trucs. Bon, là, sur le moteur, c'était foutu, quoi. Mais le mieux, c'est d'étouffer le feu, d'étouffer pour qu'il n'y ait plus d'oxygène et que le feu se tue, meurt lui-même. Faut étouffer le feu, faut pas jeter de l'eau dessus. C'est le truc le plus débile, c'est une idée reçue de fou. Est-ce que tu peux me le promettre? Jamais, jamais, jamais. Et le pire, c'est dans la cuisine, quand vraiment... Quand t'as un feu qui prend dans ta cuisine et qui part avec de l'huile, une casserole qui prend feu et il y a de l'huile dessus, si tu jettes de l'eau dessus, vraiment ça va juste projeter des gouttelettes d'huile enflammées qui vont mettre le feu à ta cuisine. Et c'est comme ça que partent les incendies la plupart du temps. Faut vraiment étouffer le feu avec un torchon. Ou du sable, ouais, faut étouffer le feu. Mais quand t'as pas de sable dans ta cuisine, généralement t'as un torchon, quoi. Et là, jeter de... L'autre, il voulait jeter sa bouteille d'eau sur le moteur, il est trop con. Si tu avais choisi la bougie, je pense que Jacob serait mort, ou qu'il aurait perdu un bike, il aurait perdu. Non, je pense pas. Si j'avais enlevé la bougie, ça aurait peut-être pas pris feu. Ça aurait peut-être été moins grave, je sais pas. J'ai fait de la merde là-dessus. C'est Torque. Attendez, faut pas qu'on sorte jusqu'à... Ça dépend de la classe du feu, ça dépend de plein de choses. Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Mais jeter sa bouteille d'eau sur un moteur, ça n'a pas aidé, ça ne drape pas, quoi. Tu peux faire ça? Le mieux, c'est évidemment d'utiliser un extincteur, mais t'auras pas forcément aidé d'appeler les pompiers, bien sûr. Salut Sophie. Sache que ta pub par blague marche bien. Oui, je sais, je sais. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Mais donc, je ferai pas de blague de beauf sur commande, sinon tout le monde va en demander. Mais bienvenue. Salut Zedrak. On en fait de temps en temps. Bon... Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Ouais, bah il va se passer un sabbat, ils vont refuser. Ils vont refuser. Ils vont tellement refuser. Jacob, c'est juste un chat, il est là. Emma, on baise. On devrait rentrer. On baise. Viens baiser. Arrête. C'est Silver. On pourrait faire. Non, on fait pas ça. On suit les instructions. Non, 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 pas question. T'as Ryan, c'est le plus malin. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce si on s'enferme, Jacob, tu peux quand même baiser Emma. Donc maintenant. On obéit, quoi. On fait la teuf. Non, on fait pas. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non? Non, non, ça ressemble à Jacob qui a fait de la merde avec le moteur. Quand magistral avant la fin. C'est le Skoz. Oh mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Hey, listen. Ouais, je suis. Merci vos avons pour le follow. Évidemment, t'es un bon toi, Kathleen. Je vais là où Kathleen. On a besoin de moi. Ouais, ok. Emma, t'en dis quoi? Hey, listen. Ouais, merci à Skoz pour le follow. Ils sont. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Et voilà, Abigail et Ryan, les deux plus malins. Les autres sont des cons. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? S'il vous plaît. Et encore des noisettes. Arrêtez, allez. Merci beaucoup, passe le dragon pour le sub. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci pour le train qui s'est terminé. Merci énormément. Ils sont teuteux, ils sont très teuteux. Allez, on va... Merci énormément, passe le dragon. Merci beaucoup. On va dire qu'il avait l'air de flipper, peut-être pour je les convaincre. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il a l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y. Non. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Je sais comment ça va finir. Je vais juste non, dire non, oui. Non, non, mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa. Oh. Quelqu'un doit être très responsable. Ouais, bah au moins je suis responsable. Voilà. Vous savez quoi? Vous
faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Oui. Dylan, j'ai envie qu'il meure le premier. Ryan, sérieux. Dylan, j'ai vraiment envie que sa tête, elle fasse whoop et qu'elle vole comme ça. C'est Willy Tech. Bienvenue à toi. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher quoi? Mais Abby, elle a pas dit oui. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Dylan, comme allez, toi, t'es con, tu cherches une prise électrique. Ça te prendra la journée. Allez, vas-y. Parce que le jeu, c'est The Quarry, c'est dans le titre. Salut, Tix. Merci Willy Tech pour le follow. Oh, c'est bizarre. On se fait viser par un sniper. Oula, putain. Merci Alex Goom pour le follow. Wow! Ah, c'est bizarre, il aurait peut-être fallu se casser! C'est Gabin! C'est vraiment étrange! Est-ce qu'on n'aurait pas juste dû respecter? Hunting Season? Oh, sa mère. Moi, je suis à fond dans le jeu, hein. Là, clairement, je suis à fond dedans. Ok, du coup, ils chassent des gens. On joue sur PC. J'espérais bien vous revoir, hein. Mais ça joue sur d'autres consoles, je pense. Sur les consoles, ça passe sur console. Voyons ce que vous avez. C'est de l'horreur, oui. Vos mains sont vides. Super, la pancarte, oui. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider. D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres. Trouvez-les, je vous prie. Elle va m'aider, hein. Ah, cool. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Mais à qui elle parle? Mais le temps n'attend pas. Elle parle aux joueurs directement. Passez, une histoire à conter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous. Et jamais je passe si loin. C'est vraiment comme Until Dawn en fait. C'est une, plus ou moins une suite d'Until Dawn. C'est une exclu console. Non, là je suis sur PC. Je suis sur PC là. On a fini le chapitre 1. Chapitre 2. Action ou vérité. Il y a combien de chapitres? Si quelqu'un le sait. Sans spoiler plus, hein, juste le nombre de chapitres si quelqu'un l'a. Ouais, il y a marqué Poco en bas à droite de ta cam. Partenaire de la chaîne. 20, 10, 9, 10, 10, ok, vous êtes sur 10. Ça se fait en une fois, hein. C'est possible qu'on le fasse en une journée. Hein. On va voir, 10, ok. Donc on va voir si on va survivre tous au chapitre 2 déjà. C'est le babouin prussien, c'est le monteur de Thoror. Est-ce qu'on va tous survivre au chapitre 2? Sauf Dylan. Filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. Et meuf, tu perces avec ça sur les réseaux sociaux, vraiment? Parce que elle, c'est une star des réseaux, hein. Les vidéos qu'elle fait, elles font des millions de vues d'après elle. Genre, vraiment? C'est dire de chewing-gum. J'espère qu'elle perce pas avec ça sur TikTok, hein, parce que... Arrête ça, j'y suis presque vrai. Putain, et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Un goût désagréable pour le palais. Ah oui, elle a fait une blague sur le fait qu'elle l'a sucé. Je vais y arriver. Il va y avoir un QTE là. Une seconde. Ouais, c'est ça. Mais non, j'enfonce pas la porte, j'attends qu'il le crochette. Voilà. Mais regarde ça. Et voilà le travail. On évite de péter la porte, ce serait pratique. Tu peux la garder. Alors, pas mal. On vient chercher pour chercher des cartes. Oui, non, mais ça, arrêtez de backseat, j'ai compris ça en plus. J'ai compris, mais pas de backseat, j'ai dit. Déjà. Arrêtez de backseat et de me spoil et tout, s'il vous plaît. C'est vraiment, ça casse les couilles. Tu habiles de tes mains, vas-y. J'aime les hommes sur la qui s'endouent de leurs mains. Eh ben, tout le monde m'appelle l'homme aux doigts de fée. L'histoire, ben, on est dans un camp, on doit partir, mais il y a des trucs qui vont se passer. Okay. Voilà. Bon.
Je peux pas résumer l'histoire à chaque fois, hein, parce que plus ça va avancer, plus je vais pas pouvoir vous résumer une heure et demie, 30 minutes, 3 heures, 5 heures d'histoire. Les persos sont cringe. Après, c'est des lycéens, quoi. C'est normal qu'ils soient cringe un peu. Ça, c'est mon radar. Il m'aide à détecter. Non, ils sont cringe. Ok, ferme sa gueule. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Quoi? Mais c'est mon radar. Non, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Y a pas, tu vas pas charmer la fille en faisant le radar à bière. Y a aucune fille qui va te faire « Oh, il est trop BG et trop drôle, il a dit « Oh, j'ai mon radar à bière. » Arrête. Moi, j'ai mon radar à connard et il pointe directement vers toi. Ils sont... Genre les filles du chat. Enfin, ou les gens, tous les gens qui sont attirés par des hommes. Est-ce que lui, il vous donne envie? Genre, est-ce que là, vous avez envie de le pécho? Merci Yaki pour le follow. C'est Titus. Est-ce que quelqu'un dans le chat a envie de le pécho en voyant ça? En vrai, bah, on supporte. Elle est un peu relou aussi. Mais Jacob, il pète un peu plus les couilles. Parce que c'est à cause de Jacob qu'on va être dans la merde, hein, quand même. Parce que, juste, je vous résume quand même un bout de l'histoire. On aurait dû partir du camp la veille, mais on va rester une nuit de plus parce que Jacob a enlevé un truc dans le moteur, et on était obligé de faire un choix pour faire ça, a saboté le moteur de la voiture pour qu'on reste une nuit de plus. Pour quelle raison? Pour baiser Emma. Donc je vous rappelle que les personnages vont être dans la merde et certains vont mourir parce que Jacob voulait baiser l'instagrammeuse. On est quand même là, hein. En termes d'histoire. Merci Matt pour l'eau. Et merci Yo-Yo pour le follow. J'aurais fait pareil. Mortel. Oh. Ouais, enfin moi je... Jackpot. Je préfère être sûr de rester en vie et pas baiser Emma que baiser Emma et mourir, hein, j'avoue. Franchement, tout ça pour son zizi, quoi. Toujours la même histoire, ça peut pas retenir sa bite, du coup, on va mourir. Oh non, non, non! Ta gueule! Il a fait une blague de « il va se branler dans la pastèque !» Il a fait une blague de « avec une pastèque trouée, on peut faire des trucs !» Ah, oh, mais ferme ta gueule, Jacob. On peut le tuer tout de suite? Est-ce qu'on peut le tuer tout de suite? Il pouvait pas savoir. Oui, non, mais quand même, à un moment, il y avait des signes avant quoi. Est-ce qu'on peut le tuer? On peut le tuer pour la blague de la pastèque, s'il vous plaît. Est-ce que moi, est-ce que j'ai un choix où je peux me débarrasser de Jacob? Le cringomètre va exploser. Oh, je le déteste. C'est celui que je déteste le plus. C'était Dylan au début, maintenant c'est lui. Arum Scarum? Arum Scarum. Souvenir endommagé. D'accord. Ce prospectus font la promotion d'un spectacle itinérant appelé Arum Scarum. La date indique qu'il a lieu il y a plus de 6 ans. D'accord. Ce sont les mêmes que l'affiche dans les bois. Pourquoi Chris Hackett les garde-t-il? Est-il lié d'une façon ou d'une autre à Arum Scarum? On ne sait pas ce que Chris Hackett avec ce que fait Chris Hackett avec ses affiches, mais il a dû oublier de retirer celle-ci. D'accord. Bienvenue Soniel, bon retour. Comment ça va? Ça fait longtemps, c'est vrai. Et bienvenue sur le live du cringe. Ils sont dans un camp de quoi? Oh, c'est une colo. C'était des moniteurs de colo. Eux. C'était moniteurs de colo et les gosses sont partis et. Il devait rentrer, sauf que, bah, visiblement, Jacob, il voulait utiliser son pipoudou avant de rentrer, quoi. Pour le moment, le truc le plus horrifique dans le jeu, c'est la cringitude de Jacob, hein. C'est ça qui me fait le plus peur dans le jeu, pour le moment, hein. Il y a eu 2-3 jumpscares à la con, mais pour le moment, ce qui fait le plus flipper, c'est vraiment Jacob cringe. Qui achète cette merde? Bonne... Pour le coup, Emma vient de gagner un point dans mon estime. Voilà, merci Emma. Mais Max... Non, il était pas cringe, Max, il était... Ouh, putain. Restez enfermé pour la nuit. Restez... C'est pas le coffre qui était dans les bois, ça, le coffre du roi de l'évasion. C'était totalement lui, sa mère. Je suis sûr que ça servait à un truc, le coffre du roi de l'évasion. Je fouille, hein, je vois, si on... Là, comme on est dans une zone ouverte où on peut fouiller, visiblement, j'essaie de trouver des trucs. Le jeu est quali, je trouve. Il est cool, le jeu. Le jeu est cool. Est-ce que ouvrir cette porte va servir à un truc? Ça a pas l'air.
Il y a un mec ensanglanté dehors. Mais ça a l'air d'être des chasseurs, de ce que j'ai compris en fait. Cette zone sert de... Merci Jean-Jean pour tes 100 bits. T'es merde. C'est bon ? J'ai pas vu qui avait utilisé les deuxièmes bits. Attendez. Le jeu a quand même 100 et quelques fins. Ouais. Attendez, faut que je remercie. Hop. Tac. Qui c'est qui a fait les deuxièmes bits? J'ai pas vu. Attendez. Paf. Ah, mais j'arrive pas à ouvrir. Fais chier. Attendez, j'arrive. Tac. 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 Voilà. Merci beaucoup, passe le dragon pour les 100 bits. Voilà. Merci pour vos frayeurs. Ça a marché, je suis content. Oui, ça a marché. Ça s'inquiète pas, ça marche. C'est Dracter le bro. Et je sens que quand ça va faire un peu plus peur, vous allez vous déchaîner un petit peu. Zab, tu as soif? Ou toujours? Jumpscare bug, il faut en double. Non, c'est qu'il y a deux personnes qui l'ont utilisé. Qui est là. C'est qu'il y a deux personnes qui l'ont utilisé. Différentes au même moment. Ça va pas faire en double. Ah, il y a quoi là? Oh, sa mère! Salut les gars. En fait, les bêtes sauvages, je sais pas. C'est Farrell. On va trop voir. Bien. Ouais, vous l'avez fait presque au même moment. Oh putain, vas-y. Ah oh, oui. Je peux pas laisser passer une occasion. Ah oui, vas-y, go. Go. Dites-moi, vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus? Restez avec moi. Go faire peur à Jacob. Ah oui, on veut voir ça. Mon dieu. D'accord, où je pourrais me cacher? Ah par contre, elle a une bouche, elle est chelou la bouche d'Emma, je trouve. Genre, elle fait des trucs genre... tout le temps. Sauf que ça va pas marcher. Si, Jacob, c'est une flippette. Bah non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, elle est trop conne. Pourquoi tu fais... Elle a craqué un peu. Si t'essaies de me faire peur, ça marchera pas. En plus, c'est vrai, c'est grillé, quoi. Elle est trop conne. Mais il va pas avoir peur, là. Arrête. On dirait la kermesse de ma petite sœur. T'as pas peur des clowns? Non, il a pas peur de toi, c'est... Parce que ça, c'est censé être marrant. Eh ben... Ouais. Wow. Elle devrait hurler et comme là, si elle était en danger. Oui, mais elle est con. C'est marrant, mon garçon. Non, baisez pas ici. À 20 de mes amis clowns sexy dans une petite voiture dans laquelle on peut toutes rentrer super facilement. Je... Non. Bah quoi? Plus envie. On en reparlera. J'ai cru que ça allait oursonner dans la réserve, là. On arrête, hein? Arrêtez ça. Vous êtes cringe, les gars, mais d'une force. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes cringe, hein? Même les gens qui se font passer pour mes élèves dans le chat, ils sont moins cringe. Et pourtant... Il y a un sacré level de base. Est-ce qu'on peut voir un truc par la fenêtre? Non, il y a personne dehors. Bonjour, Jusque. Leur libido va tous les tuer. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. C'est quoi, ça? Ils ont failli faire des oursons. Ah oui, totalement. C'est pas The Quarry, c'est The Cringe. C'est ça. Salut, Chilou, ça va et toi? Indice découvert, plan de rénovation du chalet. Les plans de la rénovation structurelle de la conduite de cheminée du chalet, arrangés par les annotations griffonnées, Chris Hackett ne doit pas en avoir les moyens de la financer. Ok. Donc la cheminée est en rénovation. Ok, lui, tiens. J'ai les bits qui vont être pour plus tard, ouais. C'est bien. Je vois bien ce que tu veux dire. J'ai eu le let's play, il est vraiment bien. J'espère que tu feras les bons choix. On va voir, hein. Je vais sans doute faire des choix de merde, mais bon. Après, franchement, il n'y a que deux personnages que j'aimerais voir survivre pour le moment. Les autres, on peut pas les couilles. Ouais, bientôt The Last of Us. StoryXM, j'ai tellement hâte. On va appeler Jacob, on va pas enfoncer les portes. J'ai pas envie d'enfoncer des portes. On sait jamais. Je préfère que les portes elles restent fermées, en fait.
Parce que si je fais de la merde à casser des portes et qu'après un jour je me fais poursuivre et que je peux pas les fermer, ça saoule. C'est parti. Il y aurait dit sur YouTube, oui. Porte, accroche-toi, parce que tu vas bientôt nous laisser passer. Les filles font cannibale, oui, ça va. Ça faisait longtemps. C'est quand Mario Kart, c'est demain soir. Wow. On a c'est juste Showy. Mate un peu tous ces trésors. Tous ces trésors, c'est des pastèques et un lit. Ils méritent tous une grosse claque. Pas Abigail. Si on pille son stock. Quoi? Salut Junk. Arrête. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre de la survie ou t'es pas d'accord? J'avoue. Ouais. Ok. Non, mais en fait, c'est ça, Ned John. C'est très simple. C'est juste non, la porte se ferme. Pas de backseat et de spoil, quoi. C'est pas de backseat et de spoil sur ce jeu-là. Oh. Je ne veux pas d'aide. C'est Mr. Babadook. Ah, ce jeu est excellent, la richesse et la profondeur avec la multiplicité des embranchements. Ouais, il a l'air cool pour le moment. Les personnages m'insupportent, c'est ouais, ça le truc. Je ne peux pas blairer les personnages. Là pour le moment, ça me casse les couilles. Emma est trop gros. Abigail est 10 000 fois plus gros qu'Emma. Et même Kathleen. Hein. Emma, c'est la moins gros. Hein. C'est quoi ça? Enfin, c'est un carton, merci. Il y a des glaces? Moi, je peux avoir une glace. Ça fait rêver tout le monde dans le chat. Preuve. C'est quoi ça? Ok. Tout le monde aime la chasse au trésor. Et à Ketsquarry, c'est vrai aussi. Ces bois recèlent des secrets très amusants qui, si vous les découvrez, pourraient vous éviter des ennuis avec la justice. Comment ça? Après tout, les histoires que vous allez vivre ne sont que des histoires sans preuve pour les aider. D'accord. Alors, plongez. Emma, c'est un stéréotype ambulant. Il y a pas qu'elle. Hein. Prenez des photos ou trouvez des pièces à conviction. D'accord. Et vous prouverez peut-être votre innocence. Après, mais sur le spoil, c'est pas sûr que t'as la même fin, mais c'est vrai que c'est pas cool. Ouais, mais tu vois dire, oh là là, par exemple dans le prologue, on m'a spoilé la fin du prologue, tu vois ce genre de choses. C'est un peu relou, quoi. J'ai pas envie d'être spoilé pour quoi que ce soit, même si c'est un jeu en branchement et que ça. Ouais, quoi, c'est compliqué de spoiler le jeu. La porte va se fermer. Mais tu peux quand même spoiler des trucs, tu vois. Il y a des trucs que les gens peuvent réussir à spoiler. C'est relou, quoi. Il y a déjà des tentes au feu de camp. Mais c'est pas moi-même pour le follow. Bienvenue. Bien, c'est bon. C'est quoi ça? Des sacs de randonnée déchirés avec des taches de sang séchées. Et ça les fait pas flipper plus que ça, genre. Une trace d'un ours? Mais non, c'est pas un ours, arrêtez avec les ours! Ils sont cons! Ils sont cons! Depuis le début, il y a des tueurs, il y a des machins, il y a du sang partout, ils sont là. C'est un ours? C'est la 20ème fois que vous sortez l'excuse de l'ours. Arrêtez! C'est pas des putains d'ours! Arrêtez de tout jeter sur le dos des ours. Les ours, c'est pas vos putes, déjà. Depuis le début, il se passe des trucs chelous, ils sont là. C'est des ours? Mais non, c'est pas des ours! C'est du déni, là, en effet. Merci, Lorenzo, pour le follow. Il m'agace de fou. Arrêtez de dire, c'est des ours. Ah, oh, un fusil! C'est sans doute le fusil d'un ours! C'est l'ours, il est dans les bois, il a son flingue. Arrêtez! Cool! Et un... code. Bah, c'est le code pour la caverne de l'ours. Enfin, c'est normal. Tu rentres ça et tu rentres dans la caverne. Non, tu... Arrêtez de jouer. C'est un flingue. Tu ne peux pas jouer avec un flingue, même aux États-Unis comme ça. Bon, ça peut être utile. Ça peut être utile. Il y a un digicode devant la caverne. Je te jure, depuis le début, les personnages, ils sont... C'est comme au début, dans le prologue, il manque de rouler sur un mec tout nu, recroquevillé sur la route. Et le mec, il fait... Oh, c'était un ours. Bah non, c'était pas un ours, putain. Ça ressemble pas à un ours, genre. Vraiment pas, tu vois. Tu peux trouver plein d'excuses, mais pas l'ours. Après, les mecs, ils ont peut-être jamais vu d'ours de leur vie, même en photo. Ouais. C'est normal que je sois pas rassuré qu'Emma a le flingue. D'accord. Je pense que Emma avec le flingue est plus dangereuse que les tueurs. Pour transporter tout ça jusqu'au camp. Pour ses potes. Ils sont américains, ouais, c'est vrai que d'un côté, c'est vrai que si ça se passait en France, si tu trouves des sacs ensanglantés à côté d'un flingue, tu dis ouais, ça pue la merde. Aux États-Unis, tu trouves des sacs ensanglantés à côté d'un flingue, bah c'est peut-être juste le jouet de ta petite sœur, quoi. Des flingues aux États-Unis sous une étagère, quoi. C'est pas non plus. C'est pas compliqué. Oui, c'est crédible. C'est vrai qu'en France, ça passe pas. Tu trouves un flingue comme ça, tu dis bon. Pourquoi il y aurait un flingue ici aux États-Unis? Tu dis bon, il l'a eu dans un Kinder Surprise, c'est normal. Pas de problème. C'est vrai. Crédible. Ils sont en mode une grenade est jetée. Un ours.
Merci Oxydia. S'ils me ressentent l'excuse de l'ours une quatrième fois, je jure, je pète un câble. S'ils me redisent, oh, c'est un ours, pète un câble. Si, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont être dans le déni, en fait, qu'il y a des trucs chelous? D'accord. Quand est-ce que le déni s'arrête? Jacob, ça ne choque pas aussi qu'Emma ait pris le flingue dans la réserve. Il va, bon, elle a juste pris un canoncier. Ah, c'est ça le code. Bingo. Eh, c'est pas mal. Il reste 3 heures. Ouais, elle a dit que le fusil était pour les ours, oui. Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non, 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 Emma. Feux d'artifice. Après tout, il y a juste des tueurs dans les bois, donc... Je les prends, ça servira. Je me dis que ça servira quand même. C'est quoi? T'as raison. On les prend, mais j'ai pas dit que j'allais les utiliser. Allez, on les prend. Ouais, trop bien. C'est pas pour en faire, c'est pas pour en faire. Et on peut dire que c'est... qu'elle a une mania sur le pack de bière. Il y a des ours. C'est Marchado. Okay, fuck yeah. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière. Ils étaient carrément déchirés et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh oh, stop, stop. C'est Raph et Firou. Rugnou. Ils s'en bat les couilles. Oh, sérieux? Ils s'en bat les couilles. Peanut butter, butter pops. Des sacs ensanglantés? Oui, mais il y a des peanut butter, butter pops. Bah oui. Il est con. Le mec, tu lui dis, oh, y a peut-être eu des meurtres dans la forêt. Oui, mais j'ai trouvé des chips. J'en peux plus. Il me fatigue. Je vous jure, vraiment, j'en peux plus de... J'en peux plus. C'est quoi des butter pops? Non. Mais quoi? J'arrive pas à le croire. Ok. Papa, peanut butter, butter pops. Papa, ça fond dans la bouche. Pop. Non, mais sérieux, c'est juste le meilleur snack. Ta gueule! S'il te plaît, j'en peux plus, j'ai chaud! Il fait chaud dehors, tu peux pas me faire ça, arrête! C'est un truc à part. C'est Romy Polo, salut Bob Tunes. Oh là dans les snacks. Hey, tu sais quoi? J'en ai pas mangé. Merci Arturo pour le follow. Depuis que je suis gamin, tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, j'ai chaud. De péremption sur le paquet. Jacob, il fait, il est plus chaud que la canicule. Oh non, le paquet a 20 ans, c'est ça. Tu sais, il les avance, les dates de péremption. Pour le moment, c'était Dylan que je détestais le plus, mais là, Jacob est passé devant Dylan. Prends le fusil et abat-le. On tue Jacob direct. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part. Bye, Killman. Y'a plus qu'à foutre tout le butin dedans. Ok, lui tire. T'as dit quoi, là? T'inquiète. Butin? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non. Il est con. Il est con. Une prouette? Voilà. Ok. C'est comme une sorte de caisse sur roue, tu fous. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vois. Après vous, madame. Merci. Par où? Il est archi con, hein. Il est vraiment con. Salut, Bag. Bago, comment tu vas? On a fini le moment cringe avec les deux? Personne ne peut piffer Jacob, le pauvre. Moi, je l'aime, Jacob. Il a une fan. Ou un fan, ça va. Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ouais. Il est con lui aussi. Merci Soalgo pour le follow. Donne-moi une seconde pour brancher. Merci tout beaucoup. Ça. Et ça y est, où? Chargé. Ah, c'est... il voulait juste charger son portable, c'est vrai. Lui, son but, c'est de charger le portable depuis le début. Il a vraiment une tête de con, ouais. Dylan, excusez-moi. Ok. Coucou Tom Cito. Je vais manger ton âme. Je vais te découper, prendre de la sauce barbecue et te grignoter jusqu'à l'os. Je vais ronger ta moelle et te sucer quand tu seras mort. Parce que j'aime ça. Mais âme. Chaque plan sur lui, c'est un mème. C'est ça. Ça va Tom Cito. Aïe aïe aïe. Ne me dis rien. Je vais te mépriser. Je veux pas. Deviner. T'es en train d'écouter un truc avec des musiques un peu cheloues et une ambiance mystérieuse. Et un narrateur avec une voix super grave et un type solitaire qui vit encore chez sa mère et qui cherche des aliens et le Bigfoot. Désolé, je dis pas que c'est ton truc. Je voulais pas te... Bah si, tu voulais. Hein, t'inquiète, pas de soucis. C'est mon truc, t'as raison. Mais arrête de faire le Dark Sasuke, toi aussi.
Non, mais Red, dès qu'il parle, il fait Okamari no Suzuki. Ça veut rien dire, mais ça fait mystique. Il s'appelle comment le podcast? Enquête paranormale. C'est sûr que les gens ont la rêve d'Okamari no Suzuki, hein. Si vous l'avez pas, c'est très triste. Parce que tu te dis que c'est des conneries, à vous. Mais non, pas du tout. T'es pas croyable. Bon, est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché? Je sais pas trop, ça me gêne un peu. Yo Lolo. Dans ses affaires. Ren, il est émo-dépressif, oui. Pas moi. Oui. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher? Deux, trois trucs, à mon avis, très franchement. Merci beaucoup, NCBZ, pour le follow. Ok. Qu'est-ce qu'il peut avoir à se reprocher? Photo de famille. Ok. Chris Hackett, jeune directeur de Colo, et ses deux enfants, Caleb et Kylie, ils semblent heureux. C'est vrai. Merci Lee Wolf pour le follow. Kylie et Caleb Hackett. Ils sont chelous, non? Ah mais les persos sont hyper clichés. Pour le moment, le jeu, j'aime bien l'ambiance et tout ça, mais les clichés sur les persos... T'arrêteras le stream vers quelle heure? J'en ai aucune putain d'idée. Voilà. Je ne sais pas quand on arrête le stream. C'est Diox. Ma copine travaille aujourd'hui, donc je suis un peu en mode one life, quoi. Alors, attendez, par contre, faut que j'aille... Hop. Est-ce que... Oui, je reviens, je vais juste... Je reviens dans deux secondes. Deux secondes, il faut que j'aille mettre mon portable à charger, comme Dylan. Je reviens dans deux petites secondes, vraiment deux. Voilà, c'est bon, je suis là. Vous, en fait, je vous explique, en fait, je lance un live TikTok en même temps que je stream sur Twitch pour attirer les gens sur Twitch. Sauf que là, normalement, je branche mon portable en même temps pour qu'il puisse charger. Sauf que j'ai pas de 2000 chargeurs et là, c'est actuellement la manette qui est chargée, donc j'ai branché mon deuxième portable. Parce que j'en ai un deuxième qui me sert justement pour les live TikTok. Merci beaucoup, évidemment. Merci Diox pour le follow. Et du coup, il faut que je remplace le portable quand il n'y aura plus de batterie. Bref, on s'en branle les couilles, on y va. Qu'est-ce qu'on peut explorer dans le bureau? Eh, pourquoi il y a un fusil? Parce qu'on est en Amérique. Chris... Monsieur H m'a dit que c'était... pour les ours. Arrêtez avec les ours. Ouais, ouais. Il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est... armé. Il n'y aura même pas d'ours dans le jeu. Ouais. Ouais, il y a plein d'ours. Laisse-le où il est. Laisse-le. Dylan, ne prends pas un fusil, t'es trop con. T'as vu TikTok, il y a 50 de personnes qui parlent dans le... Oui, mais après ils viennent ici, certains. Et si les ours voulaient s'incruster? Et si on en a besoin? Par contre, c'est vrai. Hey, et si on fait la fête? En vrai, on prend le fusil. Pleine forêt et qu'on se retrouve. On peut prendre le fusil. Situation où on serait en danger de mort. Genre quand des gens chassent d'autres gens. Oui, on a bien laissé un fusil à Emma, donc ça peut arriver. Dylan, il pourrait avoir le fusil aussi. Hein. Les deux plus cons ont le fusil, c'est pas grave. Quoique non, Jacob a pas de fusil. Et si... Ok. Je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Mais Ren, je croyais qu'il allait s'enfermer. C'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Et pour se marrer? Si, si. Non? Non, pas pour se marrer, non mais... Et pour se marrer, un petit fusil. Et des petites bombes. C'est marrant, non? Bon, bah... Petite grenade. Le fusil, en cas de besoin. Ah non? Comme tu veux. Ah, on le prend pas? Ok. Après, l'argument de Jacob, de Dylan, c'était... On va se marrer avec le fusil. Eh, touche pas au fusil, mec. À vos ordres, chef. Ok. Ils sont racistes des ours, un petit peu. C'est une forêt d'ours, il y en a tous les 2 mètres. Ils ne parlent que de ça. Y'a rien d'autre à... Oh, y'a un truc à explorer les ici. Les portables, ils sont... Tu veux que je les encourage? Allez-y, les gars, vous allez y arriver. Non, ça marche pas. On n'a plus qu'à attendre. Je
Ils sont tous un peu agressifs les uns envers les autres en plus, un peu désagréables. Je les aime pas trop. Waouh, mate l'antiquité. C'est un téléphone. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi ? Ce serait sympa que quelqu'un t'appelle pour te demander de sortir avec moi. On peut draguer ? Attends, ils peuvent se draguer ? Pour te demander de sortir avec moi, hein ? Habile. Mais je crois que si... Ryan est intéressé ? Ça, le truc quoi ? Quoi ? Oui ? C'est les trolleurs. Comment ça, Ryan est intéressé ? Ryan et Dylan, ils vont... Non ! Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. T'aurais pu lui proposer un rencard. C'est Rémi. Ah putain, j'y ai pas pensé. Oh non. Non, Ryan, tu vaux mieux que Dylan. Tu vaux mieux que Dylan. Honnêtement. Honnêtement, tu vaux mieux que Dylan. Pas Dylan, il est trop con. Il est trop con, Dylan. Non, pas Dylan, pas Dylan. Qui tu veux, Ryan, mais pas hey, Dylan. Salut, c'est quoi ça? T'entends ça? C'est un renard qui met la musique à fond dans le chemin. Courage, le babouin. Courage. Est-ce que oh, il y a une trappe, Je pense que ça mène au sous-sol. GG. Putain, mais regardez, les plans sur lui, ça me détruit. Hey, merci Valmy pour le follow. Regardez-le. À chaque fois qu'on voit sa gueule, il a une tête de con. Vas-y, je vais dire donjon sexuel secret. Je savais bien qu'il y avait un donjon sexuel secret dans le coin. Ouais. Je te parie que Monsieur H a des... Mais pour l'instant, ça fait pas flipper parce qu'il y a pas les trucs flippants, mais ça va venir. On n'a pas eu de moniteurs qui sont jamais venus. Oui, qu'au chapitre 2, hein. Donjon sexuel secret. Non, c'est pas marrant. Ça amène sans doute jusqu'au sous-sol, à mon avis. Forcément, c'est la trappe des ours. Moi, je pense que c'est une trappe faite par des ours, évidemment. Parce que c'est votre excuse à chaque fois. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond. Donc. T'en rajoutes. Donc on n'y va pas. Descends, jette un œil. Non. Regarde, tu peux glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. Est-ce qu'on le fait ou pas? Je le sens pas. Vas-y. Vas-y, j'ai envie d'explorer quand même. Au pire, c'est que Dylan. Mais au pire, on va trouver des trucs. Je le sens pas, mais si on trouve des trucs intéressants. Oh mon dieu, Ryan, tu vas jamais. Il fait exprès le débile. Il y a que dalle. Oh, c'est nul. C'était là où on était. C'est la cave. C'est la cave de merde. Remonte. Peut-être. Remonte. Remonte. Oh, je suis trop con. Par contre, c'est carrément flippant ici. Remonte. Hyper bizarre. Remonte. Donc, remonte, je sais où c'est. Remonte. Ouais, ok, je vais remonter. Remonte, dépêche. C'est Valmy, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Matt, le... Ça, c'est la cave. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Wouah, non. Bah, dans la cave, dans le prologue, il y avait une sorte de bête qui a tué un mec. Mais... J'en peux plus de la gueule de Dylan. J'en peux plus de sa tête. J'en peux plus de sa gueule. Je vais jouer le gros con avec lui. Il faut que je prenne cet appel. Bonjour, colo de Hackett's Quarry, où ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que puis-je pour vous en cette belle journée estivale? Tu trouves que ça ressemble à Monsieur H? Ouais. On va en faire un gif. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il soit plus sympa. Je suis Dylan. Pardon? Vous voulez... Qu'il donne son numéro à Dylan, ça c'est un peu direct, mais je vais voir ce que je peux faire. Habile. Ils vont vraiment se pécho? C'est danger public. Dylan et Ryan? Dylan, il veut vraiment se faire Ryan là? Oh. Laura Kearney et Max Brinley. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais. Rylan, oh non. Ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Ryan mérite mieux que lui. Ah oui, non, clairement. Clairement. Mais Ryan, il mérite pas Dylan. Enfin, Dylan mérite pas Ryan. C'est Ananas. Clairement pas. Il mérite mieux que ça quand même.
Et là, dans cette pièce, il y a quoi? Eh, mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? Haha, très drôle. Allez, y'a pas de mal à regarder. Faut ouvrir la bouche quand vous parlez, s'il vous plaît, ça me gêne. Un petit peu curieux, je te jure, je vais toucher à rien. Jacob avec Dylan. Okay. Oh, Jacob et Dylan, totalement. Moi, je suis pour le couple Jacob Dylan. Je peux pas le promettre. Hop. Lancé franc. Comme un pro. Ça veut pas dire ça. Ah. Il parlait de Max et je me rappelle plus du nom de l'autre, la deuxième. Aucune idée. L'acteur a même tête à claque dans la vraie vie. Oui, ils ont pris des vrais acteurs. C'est ça. Défilé de mode. Ok. Monsieur H connaît. C'est qui l'acteur de Jacob du coup? Merci The Rookie Boris pour le follow. C'est qui l'acteur de Jacob, vous l'avez? Le nom? Hey. Max et Laura, c'est ça, c'est Laura. Hey, merci. Hey, on devrait peut-être pas. Mais Laura, on sait pas si elle est morte hein, d'ailleurs. Ryan. Zach Tinker, ok. Ok, ok. Narnia, non. Oh, c'est quoi ce délire? Sur les écrans là, c'est le camp. Oh putain, ah ouais? Ah, Monsieur H nous espionne? Non. Si, oui. Non, enfin, non, je crois pas. Bah, il a plusieurs écrans où il regarde des gens, quoi. Dans une pièce secrète. Hey, au fond de son armoire. Ouais. Merci Big Pepito pour le follow. Mais non, il explore personne. Les caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins. À moins qu'ils s'aventurent dans les bois, tu vois, en fait. Un peu louche, ouais. Des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras? Arrêtez avec les caméras. Je crois qu'on les installe. S'ils sortent l'excuse des ours, je pète un câble. Ouais, ok, genre quoi? Genre, pour le Bigfoot, tu vois, ce genre de truc. Bigfoot, vous allez plus en plus loin. Vraiment, c'est même pas les ours, là, c'est... Bah, au cas où le Bigfoot, il arrive, comme ça, on le voit. Bah oui, oui, c'est vrai, tous les jours, d'ailleurs. Ça arrive une fois sur deux. Ah, ok, donc, en fait... Merci pour l'eau, Stelixem. Il est con, aussi, Ryan, là. Voyeur dégueu, pervers, hyper flippant, mais plutôt un chasseur complotiste cinglé. Pour info, hey, le Bigfoot, c'est pas un complot. Si okay, d'accord. Merci, Jusk, pour le follow. Cryptozoologue amateur. Oui, c'est pas vraiment un complot, le Bigfoot. C'est ouais, voilà, la cryptozoologie. Il n'y a pas de preuve d'existence okay, du Bigfoot. Pourquoi il s'est donné tout ce mal pour cacher cette pièce avec une porte secrète dans le placard? Putain, mais Dylan, il commence à devenir intelligent. Non, arrête, Ryan. Dylan te passe devant en termes de personnage préféré. Arrête. Allez, t'es descendu sous Dylan. Ryan, ouais, t'es con. Porte secrète, c'est bien ce que je dis, Ryan. C'est super chaud, mec. C'est oui super chaud. Je comprends ce que tu veux dire. Arrête de le défendre. Il y a forcément un truc dégueu ici. Dylan, ça nous regarde pas. Non, Dylan est plus malin que toi. Demain, je suis sûr. Et il revient de très loin, pourtant, dans la course au plus malin. Ok, ouais, on verra ça. Ok. Il ressemble à Mbappé, qui ça, Ryan du ou Dylan, parce que les deux noms. Hé, hey, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. Vraiment pas, pour le coup. Qui ressemble à Mbappé, Dylan? Ryan? Et est-ce que Kathleen et Abigail? Kathleen, je sais pas, parce qu'elle a l'air d'être une peste quand même. Est-ce que je vais voir un truc pop si je reste? C'est quoi ça? Oui! Oui, 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 est-ce qu'on peut arrêter la fête le soir? Si c'était quelque chose! Si c'était quelque chose! T'es con comme une bite! C'était un truc! Il y avait un mec devant la caméra! C'était rien du tout! Pourquoi ils sont dans le déni comme ça? Pourquoi ils sont dans le déni? C'est un truc de fou! Pourquoi vous faites ça? Genre, il y a un truc! Vous êtes trop dans le déni! Pourquoi les personnages sont cons? Il y a vraiment un mec qui passe dans la caméra et fait « Oh, c'était rien !» Le mec chauve à poil qui poursuit des gens dans les bois. Ça se voyait quand même. Dylan voulait repasser en plus débile, oui, c'est ça. Kathleen, je sais pas, je suis en mode « J'aime bien. » Et pas à la fois. Fier de vacances avec Kate Curry. Ok. Laura Kearney et Max Brinley. Tu devrais fouiller ça. Non, on le fera pas, ok, on peut pas. Très bien. On devrait. Je te jure qu'on devrait fouiller ça. Parce que les deux, ils sont un petit peu morts. Et ça pourrait être intéressant d'en savoir plus sur eux. Monsieur H, à tout moment, il arrive. Je pense pas, en vrai. Je pense pas. Il est parti.
Putain, vraiment trop con. Ouais. Il y a des trucs à fouiller là, il doit y avoir un truc au moins. Près du lit. Non, il y a juste la guitare, je peux pas fouiller le reste. Putain, mais les mecs sont vraiment débiles hein. Ça me j'arrive pas à me remettre du fait qu'il ait vu un mec sur la caméra et qu'il se soit dit c'est rien. Ah si. Si si, c'est quelque chose. Je te promets, c'est un truc, genre vraiment. Je me demande vraiment quand est-ce que leur déni va se terminer. Parce que là pour le moment, ils sont vraiment dans le déni en mode il se passe rien de grave, il y a rien de bizarre dans ces bois et tout. Je me demande pourtant vu tous les indices quand est-ce qu'ils vont arrêter ça. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Ah oh, Ryan, arrête ouais, de faire la... Arrête de faire comme ça, arrête de faire la lopette. Dès qu'il y a un truc, Ryan il fait non, il faudrait pas y toucher. Ryan, il y a des mecs dans les bois avec des guns. Oh, bon, ça va, c'est pas grave. Alors, tu sais déjà ce que tu feras quand en IRL, tu aurais vraiment des doutes? Bah, je t'avoue, Lucien, quand je vois le mec passer devant la caméra, oui, j'ai des doutes. Oui. Oh, le mec qui passe devant la caméra après que le mec nous ait dit il faut absolument vous enfermer, machin et tout ça. Oui, j'ai des doutes. Merci beaucoup, Madison, pour le follow. Madison West Birou. Un copain? Ah, là, j'ai. Les doutes, je les ai, moi. Déjà, le mec qui veut absolument que tu t'enfermes, mais après, tu vois un mec qui passe devant une caméra. Pareil. C'est trop. Dylan, il a pas de doute, il est con. Ouais, c'est Dylan qui l'a vu, oui. Non, me fais pas ça, Lucien, par contre, je pète un câble. Mais moi, je me barre. Hein. Je me barre avant que ça commence. Hein. On devrait les laisser une minute ou deux. Pour être sûr. Mais déjà, honnêtement, moi ça m'arriverait jamais au IRL parce que avant que vous me fassiez dormir dans une cabane au milieu des bois, dans un chalet de merde au milieu des bois, au milieu de nulle part, pour me faire dormir là, faudrait vraiment m'attacher. Mais jamais je vais dormir dans cet endroit là déjà. Moi je vais pas dormir au milieu des bois, au milieu de nulle part, c'est mort. C'est mort de base. Donc moi je me retrouverai pas dans cette situation là parce que tu me demandes. Est-ce que pour tes étés en tant qu'étudiant, tu vas aller bosser à McDo ou aller faire moniteur de colo en plein milieu des bois dans un trou paumé? Mais je vais faire mes meilleurs burgers. Hein. Mes meilleurs burgers. Ils vont être super bien. Mais je mets pas un pied là-bas. Fini. Fini. Fini, fini. Il faut regarder le nombre d'étoiles sur TripAdvisor. Oui. Chargé. Oui. Après, il y a tes potes qui sont avec toi. J'ai pas d'amis, donc ça va être compliqué. On va aller à la fête, allez. Hey, c'est bon ça. Ok, cool, on sort. Je pense qu'on a tous un petit déni comme ça. Ouais, mais là, il y a des indices quand même qui sont assez vénères. Hein. On va voir, on va voir. Quand est-ce que leur déni va s'arrêter? On va voir. On va voir. Tu es allé avec Babar et Romain. Oh non. Non. Il y a des médicaments chelous. Ah, après, les médicaments, ça dépend. Il a peut-être un traitement, tu peux pas savoir. Les médicaments, c'est pas un indice, je trouve. Qu'il ait des médicaments assez forts, qu'il ait plein de médocs, tu vois, le mec a un traitement, le mec est peut-être hypochondriaque, tu vois, il a des conneries. Ça, dans le doute, c'est pas grave, tu vois. Des armoires avec plein de médocs, j'en ai déjà vu chez les gens sans que ce soit chelou, quoi. Ils ont pris le fusil, non. Ah, lui, on le connaît pas encore assez, hein. Merci beaucoup, Plasma Psycho, pour le follow. Juste en passant. Lui, on le connaît pas, il a pas parlé trop pour le moment. Le cabanon des armes est sur le passage de personne. En fait, j'ai pris un raccourci qui passait pas loin. Non, ils vont pas mourir forcément, c'est un jeu à choix. Je te laisse choisir. J'ai trop envie qu'Abigail elle aille bien à la fin. Rocky, de toute façon, je connais aucune des destinations, donc on va aller à Shadyglade. Allons par là. Bah, le déni va se finir à la fête, à mon avis, il va se passer un sale bail à la fête. Mon Dieu, est-ce que ça va? Je m'en remettrai. Descends, je te rattrape. Moi, j'aime beaucoup Abigail. Mais lui, du coup, il s'appelle comment? Lui, j'ai pas son nom encore. Merci beaucoup à Dream pour le follow. On devrait pas aller dans les bois, hein. Vraiment. Hein. Les bois, c'est pas ouf. La chanson, elle vient de dire There's New Escape. C'est Nick. Ok, c'est vrai, c'est Nick. C'est Nick. C'est Nick. T'as fait une belle blague. Oui, c'est vrai, j'ai fait une blague sur Nick ta mère.
J'aime bien la musique. Je crois que c'est une boîte de rangers. Ah. Une sorte de réserve pour les rangers, tu sais, quand ils sont dans les bois. Des rangers à poil ? Bah, apparemment. Eh ? C'est Nibish Shenzar. T'en es où de l'histoire, chapitre 2 ? Bon, ok. Bon, ça rien de bizarre, hein, c'est juste une caisse avec des vêtements dedans, tu peux te dire, bon... Tu vois, dans le doute, c'est pas forcément un truc hyper cringe. Là, ça a l'air d'être un cul-de-sac, peut-être qu'on pourrait avoir un truc à explorer. Il a dit quoi, des rangers à poil, il a dit. Je crois qu'on est revenu au sentier. Oh, je crois que je sais où on est. Ah ? Par ici. Tiens, prends ça. Okay. La synchronisation des lèvres, par contre, c'est un... Il faudra qu'on en parle à un moment. Il faudra vraiment qu'on en parle. C'est des fois, vraiment, il y a des lignes de dialogue et le personnage bouge pas les lèvres du tout. Genre sans raison, c'est même pas que ce soit en français ou en anglais, tu vois. Bouge pas les lèvres. Tellement d'indices bizarres. Après, il y a pas des indices trop bizarres, à part vraiment le mec qui passe devant la caméra et les sacs ensanglantés et le fait que le chef de la... De la colo leur disent de vraiment s'enfermer et qu'il faudrait qu'ils partent rapidement. Tu vois, à part ça, tu vois, ça passe. On va faire la réponse sincère. Merde, Abby, t'es sûr. Il y a quand même des petits indices, mais il y a trois gros indices en soi. C'est rien, rien de. Il y a trois gros indices. Sérieux, je dis pas ça pour. C'est sommaire, mais si j'arrive à capturer des trucs, je m'en souviendrai mieux plus tard. C'est cool que tu te connaisses aussi bien. Ouais. Et de pas faire de bruit. Si, enfin, il leur a dit enfermez-vous et ne faites pas de bruit. Et du coup, ils ont dit bah on va faire une fête avec des pétards et des feux d'artifice. Je suis sûr que t'es très compétent, Nick. Ouais, tu sais, son tatou. Ouais, elle a un tatou, il est stylé. Pas tant que le mien, mais. Pour faire quoi ? Merci, Paul Détection, pour le follow. Ouais, par contre, on est au crépuscule là. Tu le découvriras. Et Kathleen, elle branle quoi ? Parce que là, on a eu les couples de chaque personnage, enfin, les duos. Chaque personnage était en duo avec un autre. Kathleen. Where is Kathleen? Oh sa mère. Oh c'est un ours. Non, écoute, y a quelque non c'est un cochon ça, ça fait un bruit de cochon. Ça fait un bruit de petit cochon. Oh il est trop mignon. Regarde. Je l'aime trop. Oh, j'ai la même réaction. Il est trop mignon. J'adore les bébés cochons, je trouve ça trop mimes. Oh, c'est un petit sanglier, c'est un petit marcassin. Il est trop mignon. Les bébés cochons, bébés marcassins. Par contre, les sangliers adultes, s'il y a la mère à côté, barrez-vous. S'il y a la mère à côté, barrez-vous. C'est hyper dangereux. Une mère sanglier, c'est hyper dangereux par contre. C'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Vous êtes en danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Bah si, c'est un sanglier par contre. Retenez votre souffle. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte. Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace. Comment ça approche. Le tuto là, il est chelou. C'est un tuto pour une la fois suite, le danger ça. Passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Les petits dessins animés sont rigolos. Attention. Expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature et conduire au désastre. Mais je vais mourir tellement vite. Faut relâcher A au bon moment. Ok. Mais c'est quoi le bon moment ? Le bon moment. C'est quoi le bon moment? C'était pas là. Si? Si, il y avait plus de rouge. Vache. C'était chaud. Mais en vrai, une maman sanglier, c'est hyper dangereux. Hein. C'est vraiment violent comme bête. Un sanglier, je sais plus combien ça fait de kilos, mais c'est vraiment mastoc et tout, et ça peut être vénère, genre vraiment.
Et les mamans qui ont des petits marcassins. Un peu flippant quand même. Salut Lolo Chacal. On va pas être autant. Une bonne histoire à raconter à son mari. Comment tu sais que c'était la maman? Parce que c'est la mère. Un très bon point de vue. C'est la mère, quand ça t'agresse comme ça, c'est la mère. Je crois qu'elle me draguait. Surtout si tu touches à son gosse. Ouais, là, ils sont un peu approchés du marcassin. Petite copine. Elle était pas si petite. Les sangliers, c'est chaud, ça défonce les voitures easy. Ouais, c'est violent un sanglier. Un sanglier qui a des petits à protéger, c'est hyper vénère. Hein. Hyper vénère, c'est vraiment sous-estimé. Sanglier gagne sur le bus scolaire, c'est pour dire, c'est ça. C'est ça. J'allais dire Marcacrin. Non, Marcassin. Marcacrin, c'est le Pokémon. C'est Nénouche. Comment ça va? C'est Flexi. Je me demande si là, est-ce qu'il y en a qui ont fait le jeu? Est-ce que certains ont déjà échoué au sanglier ou ont vu un let's play où le mec échoue au sanglier? Est-ce que Nick, il meurt? Genre, si vraiment, si t'échoues à t'enfuir, ça m'étonnerait qu'il meure, mais genre, il doit prendre cher, quoi. Si vraiment, tu fais de la merde. Je me pose la question. Vous avez le droit de spoiler comme c'est un truc qui vient de se passer. Si vraiment tu fais le mauvais choix, si t'arrives pas à t'enfuir du sanglier, il meurt pas, je crois. Ouais, ça m'étonnerait, c'est un peu un tuto. Je pense que ça c'est un tuto pour t'apprendre plus tard quand tu seras vraiment en danger à retenir ta respiration et à fuir au bon moment. Mais pour plus tard, vraiment, quand t'auras vraiment un truc vénère. Enfin, mon portable et je peux rien. Là, c'est en mode vas-y. Non, le sanglier te lèche le visage. Ah, il te lèche si tu perds. Oh, mais j'aurais aimé me faire lécher. Non, pas le sanglier. Pas le sanglier. Par le sanglier. Pas par... Enfin voilà quoi. La merde commence sur ce chapitre 3, je pense, ouais. Bah, ouais, on peut prendre une photo, écoute. J'aime bien ce point avec la cabane et tout, avec l'eau. Ok. Rediff sur YouTube, oui. Elle sera sur YouTube. Mais elle sera sur Twitch, hein, même, hein, de toute façon. Si elle est pas encore sur YouTube, elle sera sur Twitch. Devine quoi? Oh, pas lui. Monsieur H est un vilain petit voyeur. Il a des caméras planquées partout et une salle secrète. Non, c'est pas... C'est dit tout, tcha-tcha. Minute quoi? Il a des yeux Feur. Partout. Il nous observe tout le temps. Ah mec, il a installé des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de truc. Ouais, pour les ours. Ah, tu trouves ça normal, toi? Bah, il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Sinon... Paf quoi. Pas totalement faux, mais pourquoi ce serait dans le placard au fond de l'armoire, en fait? C'est ça, surtout. Le fait qu'il ait des caméras... C'est pas flippant, je trouve, en soi. Des caméras de surveillance pour les alentours d'un camp de vacances, en plein milieu de la forêt, où il y a des gosses. C'est pas flippant. Le truc qui est flippant, c'est vraiment que la salle est planquée dans le faux fond de l'armoire à vêtements, tu vois. C'est ça qui est flippant. C'est pas le fait qu'il ait des caméras, parce que ça, en soi, tu vois, pour le taf, c'est pas grave. Mais il les cache, les caméras. Il le met au fond du placard. C'est ça qui est flippant, en fait. Y a pas de raison dans ce cas-là. C'est irrégulier, assassin. Comment ça va? C'est Just Matt, sacré Mbappé, oui, aucun rapport avec l'œil, mais ok, sacré Mbappé. J'ai vu de la lumière dans la cabane. Vas-y. Bah, j'ai vu une lumière bizarre dans la cabane de l'autre côté du lac. Ouais, c'était un peu flippant. Je l'ai pas vu, tiens. C'était peut-être ta meuf, Ryan. La folle de Hackett Squarry. Ah, je t'ai dit de plus jamais prononcer la folle de Hackett. Tu savais pas où mettre son armoire. Pourquoi je dirais plus la folle de Hackett Squarry? Y'a pas de raison. Ça y est, Sendo. Il a aucune raison de planquer les caméras. Les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir. Bah, c'est long, y a des chances. La détente, ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance? L'ambiance, la vibe, vous voyez? À propos, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai du boulot. Hey, okay, c'est curiosité. Les playlists, et merci le caféine pour le follow. T'as tué des personnes, non? Si, c'est possible, mais... Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. C'est le moment de l'envoyer. Hey, listen. Merci beaucoup, Mimi Staffy, pour le follow. Bienvenue. Oh, ça suffira, on a déjà un bon gros tas de bûches. Quoi, le but du jeu? Suivre l'histoire. On en avait plus que ça. Essayer de survivre. On a vu un sanglier, une femelle. Et Nick s'est montré très courageux, il s'est sacrifié. Bon, j'aimerais bien un peu d'action, par contre. On va être sérieux. Et vous êtes sûr que tout va bien? Pas de blessure ouverte? Parce que les sangliers, c'est vénère, hein, moi ça me fait peur. Tout va bien. C'était pas un taureau non plus. Tous ceux que j'ai regardé jouer font à peu près les mêmes choix. D'accord. Une petite copine. Ok, ok. Oh, raconte. Non, si c'est différent. Oh. Oh. Livraison spéciale. Wow. Ça va puer la merde. C'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Si. On l'a pris pour les ours. En fait, on l'a trouvé dans la réserve. Les ours. Ok, c'est bon. Ça va. On va le ranger. Non, regardez-le. Merci.
Gardez-le. Les armes, c'est dangereux, crétin. Oui, c'est vrai, ça. Bah oui, principe des armes. On vous a préparé une petite sélection de tout ce que le camp de Hackett Squarry a de mieux à vous proposer. Mais non, arrête. Et ouais, ma poule. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Pop. Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Hé, hey, Toudou, on se calme. Ah, j'ai chaud. Ce truc-là. C'est pas pour... J'ai chaud. Mais tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche, sérieux. Chaud. Le fusil, s'il te plaît. Quoi? Tu vas me tirer dessus pour ça? Mais non, t'es débile, je veux juste qu'on fasse un petit duel. Mais quel rapport avec le fusil? Non mec, c'est hors de question, non. Quoi? Je ne te laisse pas avec une arme. Non, on laisse pas Jacob avec une arme. Je vais pas laisser deux débiles comme vous jouer avec une arme. Oui, merci quand même. S'il te plaît, le stand de tir est juste à côté, ce sera marrant, allez. Non, 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 non. Toi et moi. Non. Un duel à l'ancienne. Non. Premier prix, les peanut butter butter pops. Pour toi tout seul. Non. Mec. Non. En fait, tu les veux pas vraiment, hein. Chez moi, on est passé de 40 à 50 degrés, merci Jacob. Bon, t'as gagné. Non, faites pas ça. Mais pourquoi c'est un faux choix, en mode tu peux les empêcher, mais en fait tu les empêcheras pas. Tu toucheras pas d'armes à feu tant que tu te comporteras comme un... Bon bah, tu peux être l'arbitre. Bah, il touchera jamais d'armes à feu. Impartial. Écoute, Jacob, on essaie de faire une soirée sympa. Ça va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Allez. Une quête secondaire. C'est Nerox. Merci Kiden pour le follow. D'accord. Ils veulent faire C'est parti pour un duel à l'ancienne. Ils font un duel de tir pour avoir les chips. On va convertir en stand de tir, mais si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Bah, vous pouvez arrêter maintenant, mais pourquoi. Oh, Kathleen, je l'aime bien maintenant, c'est bon. Mais en même temps, elle a accepté, elle est conne. Merci Nerox. On va mourir. On va mourir. On va mourir. On va mourir. Merci Switcher Studio pour l'eau. Troisième classe. 3 ans d'affilée, classé meilleur du camp. Sinon, ils pourraient partager les chips, en effet, tu vois, y'a pas de raison de garder. Pourquoi vous partagez pas les chips, oui? Je te laisserai peut-être goûter un peanut. Non, mais bonne idée de Lucien, pourquoi on partage pas les chips? Genre, y'a un paquet entier, genre, tu partages. Moite, moite. Mais même tu partages en 7, on s'en branle. Je crois que je serai au courant si tu. Ok, les gars, alors, on arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir, on jouera selon mes propres règles et on discute pas, pigé. C'est Rico. J'en ai marre d'eux, laisse-les mourir. En attendant, j'en suis presque là. Et ne touchez pas à ce fusil. Si Jacob il pouvait mourir. Jacob, j'ai vraiment envie. Jacob, c'est le premier, je pense, qui meurt. J'aimerais. Je voudrais que ce soit le premier qui meurt dans ma partie. Ouais, ok, merci. Bye, bye. Bon, alors. Ce petit tête à tête avec Abby dans les bois. Zénith, mine du Cantal. C'était pas mal, on va dire. C'était. Oui, ça s'est bien passé avec Abigail. Hey, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez baisé? Toi, je le vois comme ça, Jacob, vraiment. T'as baisé? Très brillant. Tu t'es bien? Ouais. Hein? T'as baisé? Ouais. Mais t'as conclu ou pas? Voilà, il y a. Y'a pas de soucis, t'inquiète. C'est stupide. On a tous des petites baisses de régime parfois, mais tu devrais te dépêcher avant qu'un vrai mec prenne ta place. À ce propos, il me fatigue fort, je vous jure, il me fatigue très très fort, Jacob. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter? Non, je crois qu'il a une commission. Ah. Allez, s'il te plaît, le fusil. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche. Jacob, tu es cringe, arrête. Jacob, ensuite. Ne mettez le doigt. Assassiner cet imbécile. Oh, j'ai vraiment envie. Prêt à tirer. C'est compris? Oui, chef. Très bien. Deux choses. Vas-y. Est-ce que je peux tirer sur Jacob? Genre vraiment, on bouge et pas un Jacob. Fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous montre où vous visez, évidemment. C'est un tuto pour les combats, ok. Parce qu'il va y avoir des combats. Genre. Super, Nick. Un point. Si, je l'ai eu. Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. Ren meurt en premier. Bah, en vrai, ça dépend de tes choix. On va éclater tout ça. J'ai prévu de laisser personne mourir, en vrai. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais on va voir. Allez, Nick. On rigole plus. Pourquoi ils gaspillent les balles? Parce qu'ils savent pas qu'il y a un truc violent. Voilà. Joli tir. On est vraiment en train de jouer comme des cons à tirer sur des pastèques. C'est bon? Ah! Attendez! 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 Attendez!
si je réussis le jeu de tir, Jacob, il mange pas ses chips et il va se faire enculer. Et ça, il y a moyen de faire chier Jacob. Il y a moyen de faire chier Jacob. Ah ben on va le réussir le mini-jeu Jacob. Tu vas prêt bouffer tes chips de merde. Un point pour Nick. Non mais il y en a plus d'un point bien pour Nick. Bien joué Nick. Allez. Allez Jacob. Montre-nous ce que tu vaux. Allez. Ok, vaut peut-être mieux fermer les yeux Nick. C'est moi qui le contrôle je ou pas? Je ne pourrais pas te filer encore plus de complexe. C'est bon, ça va. Ferme-la et tire Jacob. Oh. Je croyais que t'étais un super tireur. Ouais, parce que si vraiment je l'avais contrôlé, j'aurais tiré dans le vide. C'est l'univers de Jérôme, bienvenue. Mais il est trop con, il faut pas lui donner de flingue. Lui donnez pas de flingue à ce débile. Il est disqualifié pour avoir joué au con. Quoi, mais non. Vas-y, on se fout de sa gueule. Ouh, t'entends, Jacob? Hein? Pop, pop. Peanut butter, butter pop. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est gênant. Ok, on peut faire confiance à Kathleen aussi, ça veut dire. Kathleen est à la classe un peu. Vous gaspillez toutes les balles. Non. Non, ça c'était pas obligé. Je pouvais garder. Ok. Chapitre 3 ou pas encore? Elle tire sur des bouteilles invisibles, elle. Oui. Merci Hazardpick pour le follow. Putain mais après je pense là ça va, on fait les malins et tout. Mais après je pense qu'il va y avoir des chapitres un peu plus horreur. Parce que là pour le moment c'est cool hein, y a pas niveau horreur. On est tranquille hein. C'est une femme à sauver elle, moi je veux sauver Abigail. Hey, merci Sévry pour le follow. Je veux pas qu'Abigail meure. Le plan de fer avec la pastèque ouais. Merci beaucoup Ryan Tokyo pour le follow aussi. Bienvenue. Leur fête elle est toute pétée en plus hein. Ok. Nouvelle idée. Petit jeu. Ah, petit jeu. Allez, sérieux, ce soir c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Faut qu'on se fasse des souvenirs. Ouais, bah vous allez en avoir à mon avis. Pourquoi ça. Pas le plus grand jeu des... Ouais, Ryan il a dit qu'il voulait pas venir et il vient quand même. Action vérité, mais... Oh, pas action vérité. Ok, alors voilà mes règles. Quelqu'un vous demande action vérité, vous choisissez et puis vous faites. Et pas de si, de ou de mais. En fait, oui, donc c'est action vérité, voilà, merci. C'est con. Ouais. On fait action vérité. Sauf qu'on triche si pas. On choisit action, oui. Du moment que les deux sont d'accord, bien sûr. Ça marche. Enfin, vous emballez pas tant que c'est pas votre tour, mais. Bon, et par qui on commence? Eh ben, c'est la maison qui choisit, donc. Abigail. Action. Truc de collégien, un petit peu, ouais. Ciao Silver, ciao ciao. Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein? D'accord, on y va. As-tu déjà couché avec quelqu'un? Oh, C'est lourd. T'es lourd. T'es lourd. Un choix que j'ai fait au début, si tu veux. Hé, hey, vas-y doucement mec, tu vas trop loin. Attends, j'ai pas fini. Si, t'es lourd. As-tu déjà couché avec quelqu'un dans ce camp? Non. Désolée. Non. Ok, Abby, c'est à toi. Ouais, me mets pas sur une piste alors dans ce cas-là. Je veux pas savoir. D'accord, alors. Dans ce cas-là, non. Ah, Abby, sérieusement, choisis quelqu'un. Ok. Je sais pas. Ding, ding, ding. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. C'est vraiment chiant votre jeu. Ryan, action ou vérité? Vas-y, vérité, j'aime pas action, c'est chiant. Vérité, j'ai rien à cacher. Elle va m'envoyer, va te mettre un poil dans les bois. On va y aller, Franco. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Toi et Monsieur Hackett. C'était sûr. De quoi? Qu'est-ce que vous faisiez dans son bureau? Quoi? Ah, je veux savoir. Vas-y. Eh ben, je sais ce que tu veux entendre, mais en fait, bah... Parce qu'il pense vraiment qu'il a baisé... Si tu veux savoir, je lui ai demandé conseil.
conseils, hein. Wow, Emma, laisse, je m'en occupe. Oh non. Alors, non. Ok, dans tes paramètres, il y a une option qui s'appelle mode incognito. Et si tu fais ça... Non, un conseil d'orientation. Mais c'est pas juste, j'ai déjà répondu à ma question. On peut peut-être t'aider. Je sais pas trop, vous avez déjà vos... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Mais en c'est plus, Jacob qui va t'aider, si non? Je prononce simplement le mot étude, Jacob... Ah oui, parce qu'il est con. Oh. Attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Bah t'es débile. À mon tour, qui je vais choisir? Bah Jacob et moi, on n'a pas encore joué. C'est vrai. Vas-y Jacob. Jacob, on lui fait faire une connerie. Jacob, c'est ce best ghost. Ça dans le ventre. Action, balance. D'accord. Mon action, ce sera de faire un saut au-dessus du feu de camp. C'est nul. À poil. Ah. Oh, mec. Ah non, mais il est content. C'est ce best ghost. Faire ce saut sans problème. Ouais. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Twitch, c'est rien, c'est dans le jeu. Jacob, stop. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Non. Non. Non, je suis vraiment pas d'accord. Tu vas te faire super mal. Oui. Quoi? Mais il est pas à poil. Non, il est en caleçon. Ryan, sérieux. Oh, d'accord, on a mieux. Tu sais quoi? Je joue plus. Ok? Je boude. Je voulais jouer, mais sauter sur le feu. Que je veux pas, je boude. J'arrête de jouer. Je suis grognon Jacob. Emma. Je vais dormir. Emma, tu vas embrasser... Ah, c'est bon, on y arrive. Jacob. Nick. Dans ce cas... On a le choix ou... Désolé, Nick, mais c'est même pas vraiment... Oh, il se la pète, j'ai envie d'embrasser Nick. J'ai envie de la faire embrasser Nick, vas-y. Ce sera Nick. Ah, elle le fait toute seule, bien fait. Et du coup, t'es envers ta pote Abigail, c'est pas hyper sympa, non? Emma, t'es sérieuse? Ah, gros chais. Coucou Nils, ça va? Ouais, enfin, doser quand même. C'est le crush de ta copine. Arrête, elle fait la gueule derrière. Mais. Ah, oh, mais quelle pute. Hey. Ça se fait pas? Ça se fait pas du tout. Il est doué. Non mais en même temps... Oh, c'est étonnant. Salut, Tay. T'aimes embrasser ma copine, connard? Oula. Non. C'était juste un jeu. Je suis la copine de personne. Ferme ta gueule avec ton « c'était juste un jeu », mes couilles, ouais. C'est Flashmat. Jacob... Non, Jacob, va pas tout seul. Oh, ils sont partis tout seuls dans les bois, les cons. Attendez, les deux, ils sont isolés. J'imagine que je devrais le rattraper. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Oh non. C'est là que ça va partir en couille. Bon. Quelqu'un veut faire une partie d'échecs? Quoi? T'as foutu la merde. Dose. What? Ils sont très très proches. Fais chier quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'était là? Bon là on va attaquer le chapitre 3 je pense. Je suis comme toujours ravi de vous voir. Clément. Ils étaient littéralement à 10 mètres, ouais, pourquoi ils les ont pas vus? Qu'avez-vous trouvé de nouveau? Mais tout le monde les est... Enfin, non, vous les avez pas vus? Vous n'avez pas de nouvelles cartes. Mais vous êtes de retour, demandez-vous pourquoi. Renégime. Je ne peux pas vous aider sans cartes. Vous devez les trouver. Vous devez me les rapporter. Mais quelle carte? C'est dans votre intérêt. J'ai pas trouvé tes cartes. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Les secrets demeurent enfouis et la nuit s'assombrit. Je vous reverrai. Non, ça a toujours été un jeu de con, action vérité. On est d'accord, action vérité, c'est un jeu de con. Les loups. Les corbeaux suivent. Ça se trouve, ouais, c'était un ours en fait, Curodent. C'est vrai, si c'est un ours, ça passe.
Bon. Est-ce que je peux manger devant les cinématiques un peu? Est-ce qu'il y a des cinématiques calmes et je peux manger devant à votre avis? Parce que j'ai faim. Comme peut y avoir des QTE à tout moment. Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chacun embrasse ce qu'il veut, c'est débile. Débile. T'es toute seule dans les bois, meuf. Hey, merci Nolax pour le follow. Où, là? Non, mais en même temps, c'est normal qu'elle soit pas contente. Abby, elle est trop bégette. Moi, Abby, je l'aime bien. J'aime beaucoup Abby. Ça pue. Mais déjà, à quel moment t'es rassuré de marcher comme ça dans les bois? Genre, personne n'a pas peur ici. Il y a des trucs ou pas dans les bois, mais moi je suis pas rassuré. Merci Torix pour le follow. Qui est rassuré de faire ça? Il y en a dans le chat, vous, vous pourriez marcher dans les bois comme ça, tranquille? Non, c'est impossible. C'est vraiment une piète. Quoi? Merci Zezels. Ah, Foxy. T'es dehors? Et merci pour l'auto, Gamer. Ils sont tous blasés, c'est normal. Ouais, mais quand même. Là, c'est la nuit, on voit plus rigoler. Oh, sa mère. Non, même pas. Ah ouais, merde. Elle a une bonne bouille, personne ne l'attaquerait. Bah, on va dire ça. Ah, c'est ça les fameuses cartes. Maison Dieu, échapper à vos problèmes, fuir ou combattre, c'est la question que nous nous posons tous. Mais bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas pourrait être votre dernier. D'accord, c'est les cartes de tarot, il y en avait 22, ok. Je me demande si ça aurait été plus drôle de faire le jeu le soir durant la nuit. Ouais, peut-être, mais le samedi, je live pas le soir, donc... Là, je live pas le soir, le samedi, donc je fais le live dans la journée. Ça change pas. C'est pas trop flippant, ça va? Bah, en même temps, pour le moment, oui. Pour le moment, honnêtement, c'est pas flippant. De toute façon, je pense pas que le jeu me fasse aussi peur qu'Alien Isolation, très clairement. Impossible. Alien Isolation, ça me détruit psychologiquement d'y jouer. Ça va, je pense. Parce que c'est une histoire, c'est une cinématique, tu vois, ça me... Et Snork. Et salut pro de la S. Je vais essayer de rappeler. Nick! Abby! Recommence! Je suis par là! J'arrive! Nick! Ok. Salut. Le planning, vous l'avez l'avant. Vous pouvez l'avoir en tapant point d'exclamation prog, hein, comme dans le titre. Y a pas besoin des modos forcément. Parti. Il y a un truc qui a fait du bruit, c'est pas un ours. Hein. Je joue très bien pour l'après-midi, je pense. Non, ça fait longtemps, Roman. Si c'est un ours, oui. Je crois que alors, ce jeu est honnête. Est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Tu lui as le roulé une pelle sur 10 secondes quand même. Ouais, direct. On dirait qu'Emma a toujours eu un faible pour toi, hein. Quoi? Non, trop pas. Elle voulait juste rendre Jacob jaloux. J'ai juste joué le jeu. T'avais l'air ravi de jouer le jeu. Voilà, un smack ça suffisait. Elle était pas obligée de rouler une gigapelle. D'aider Emma à rendre Jacob jaloux. C'est tout. Bon allez, un peu d'amour. Bon appétit, Indral. Oula. Oula quoi? C'est pas un ours. T'as entendu?
C'est pas un ours. C'est pas un putain d'ours. On va voir. Non. Je lâche le taboulé, ouais. Oh putain. Mais c'est quoi ça, c'est un grognement? C'est un animal vraiment peut-être? C'est réellement un ours, faudrait rentrer au chalet là. Mode déni activé, ouais c'est ça. On va voir? Un truc qui grogne dans les bois pendant la nuit. On y va? Bah oui les gars. Clairement un ours. Ça fait un peu un grognement, oui. Je me demande si c'est pas vraiment un ours pour le coup. C'est encore un sanglier. Wouah, le sanglier quand même dose. Non, ça fait pas jouer le sanglier. Enfin, on a tous entendu un cochon dans notre vie, ça fait pas ça. Hein. C'est un ours. Plus de chance. Mais ça m'étonnerait en vrai. Trop rapide, il a pas tort. Oh, sa mère! C'est un homme. Je suis en train de la... Wow! Quoi? Mais il est mort? Est-ce que je peux aider Nick ou pas? Non, Abigail! Non, 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 pas Abigail! Pas Abigail! Pas Abigail! Wow, c'est quoi ce truc? Et c'est qui nous aide? Nick? Mais attends, j'ai pas déjà un mort? J'ai fait quoi pour avoir un mort déjà? Se cacher. J'ai quoi pour avoir déjà un mort? Je suis trop nul. C'est pas Jacob avec le fusil, parce que sinon il aurait pas touché. J'ai loupé le QTE. Ah sa mère. Oh non. Il est pas mort, oui il est pas mort encore, mais il a pris cher quoi. Abigail, ça va aller. Grimper à l'arbre, elle peut y arriver. Vas-y, essaye. Tu veux pas d'effort aussi? Si. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Merde, j'ai loupé. Putain, je suis vraiment un con. Non, je loupe tous les QTE. Je suis mort. Elle est morte. Je loupe tous mes QTE. Je suis une merde. Merci beaucoup, Shadow, pour le follow. Ton son de micro est trop élevé. Ah bon? Enfin, pas comme le dit en 4 heures. 2 heures, 3 heures. Quoi cette bête? Il y en a un autre là-haut. C'est le même. Faut lâcher quand il n'y a plus rien, quand il se barre. Allez. Allez. C'est bon. Là, il est parti. Maintenant. Abigail va bien. C'est un volume sauvage. Mais mon micro est trop fort depuis quand? C'est un choix de lycénique. Bah je suis allé l'aider, mais finalement j'ai été obligé d'aller l'aider. Hey, listen. Merci que vous le disiez pour le follow. Je sais pas, parce que Nick, j'ai voulu l'aider. Mais finalement, je sais pas, ça changera peut-être quelque chose. Nils, va bien te faire enculer ta grosse mère. Vous pouvez arrêter de spoiler dans le chat, bande de cons ou pas? C'est incroyable, ça! Luther, tu peux me le ban, s'il te plaît? Tu me le ban 30 minutes, 1 heure, je m'en branle. Non, c'est... Arrêtez de spoiler, c'est casse-couille! On peut pas découvrir un jeu sur Twitch sans que vous spoiler comme des connards! Va niquer ta mère, Nils. Putain, c'est incroyable, ça.
C'est incroyable. Abigail est pas morte. Non, Abigail est sans fille. Abigail, on sait, mais Nick, putain, vous êtes pas obligé de me spoiler rien avec les... Je le répéterai même pas, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être pas vu, mais c'est chiant. Les gens comprennent pas que tu veux pas forcément te faire spoiler un jeu, quoi. Je dis, ah, moi, je l'ai déjà vu, donc je peux te spoiler. Bah non. Non, tu peux pas me spoiler parce que t'as déjà vu le jeu. Incroyable. C'est un jeu marrant. Il est bon, le taboulé? Ouais, il est bon. Désolé, je me suis agacé. Putain, le jeu il a une semaine en plus, quoi. C'est même pas comme si les gens ils me spoilaient Star Wars, tu vois. Le jeu il a une putain de semaine. Il est sorti il y a une semaine, les gens sont déjà en train de spoiler. Salut le F. Faire les jeux day one, la première heure pour pas que vous spoiliez. Sinon c'est bon, vous l'avez déjà poncé par cœur et c'est bon. Non, le pire c'est que je m'énerve, mais le mec quand il va faire sa demande de débat, il va faire oh, c'est pas normal, Xavam il s'est agacé envers moi, alors que j'avais rien fait, je voulais juste l'aider. Merci les modos. C'est pas au dodo. Putain, j'ai vu son message, je suis dégoûté. Il faut bosser ta technique. Oh bah, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. Le perso il pleure. Pendant Jacob il pleure, c'est vrai. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur. Pour faire pour Pastor Boy, Pastor Spoil, il faut le faire day one, on va venir de chrono, c'est ça presque. Ouais, t'as raison. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux, c'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Non, il avait pas l'air d'accord, non. Ouais. Non, je sais. C'est juste que... C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Jacob. Oui. Sérieux, oui. Quoi. J'arrive pas à croire que tu lui aies roulé une pelle. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. Quel âge, 12 ans? Non, mais Nick, oui. Enfin... Tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça. Bonjour, mais Sam. J'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. Ouf. Ouf. T'adores ça me prendre pour un con, hein? Arrête de faire la gueule, ouais. S'il te plaît. Ouais, ouais. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, c'est pas grave. C'est Sam net. Non. Laisse tomber. Ok. Tu peux rester là à bouder. Putain, mais du coup, donc, il y a des mecs qui... Il y a des mecs qui chassent. Il y a des mecs qui chassent. S'il te plaît. Ou... Mais finalement, les chasseurs... Parce que les mecs, là, le mec grand baraqué qui se mettait du sang sur la gueule, ces chasseurs-là sont peut-être pas des méchants. Ils chassent peut-être juste les bestioles, là. On avait dit... Juste pendant... Merci, docteur 8 Smile pour le follow. Et devine quoi? Ils ont l'air un peu... Je sais pas. Est-ce que les chasseurs... sont avec... Vous répondez pas, c'est des questions que je me pose à moi-même, c'est pas fait pour être spoilé. Demande s'ils sont avec ou contre moi, du coup. Évidemment, maintenant, je précise, hein. Quand je pose une question à moi-même, je précise que c'est pas pour avoir une réponse. Je vais monter le son du jeu, il est déjà fort. Hein. Salut, Mister. C'est le thème. Wow! On va voir, hein. Salut Atem. Enfin, re-salut. Hey, merci Cerise Chérie pour le follow. Ouais, je... on va voir un petit peu, mais... Parce qu'en effet... Ah, il y a une carte. Carte de tarot, l'étoile. C'est l'étoile. Les étoiles, elles brillent dans le ciel nocturne, des balises lumineuses, des rêves d'espoir, de but ou un rappel de votre insignifiance, la crainte du désarroi. Croyez en la lumière des étoiles car elle apporte la clarté et parfois une preuve. Ok. Je vois un jeu sombre en plein jour, c'est pas facile, on y voit que dalle. Alors moi j'avoue que je suis dans une pièce, les volets sont fermés, tout est fermé, donc ça va. Ça va, ça va. Hop. Faut qu'on explore un petit peu, d'ailleurs des trucs à récupérer là. Des indices, des machins. C'est pas bonjour Nored. C'est quoi du coup? Non, Skill Gazette. Un article de journal récent parlant de deux randonneurs disparus dans les bois à la date de la publication, ils n'avaient pas été retrouvés.
Et du coup, les monstres, ce seraient les mecs qui disparaissent et qui se font mordre. Ça marche comme des zombies, peut-être. Et du coup, les chasseurs tueraient les... je sais pas. On va voir, mais pour le moment, je crois un peu à ça. Il y a l'air d'avoir un truc, là, entre les chaises. Qu'est-ce que c'est? Ça. Regardez, ça se ramasse. 100%. Non, pas du tout, c'est juste un paquet de chips. J'y croyais. C'est Dr. Isma, j'ai un problème avec mes collègues. Je suis prof de maths et tout le monde me déteste. Juste à cause de ma matière, que faire? Tu mens. Qu'à un moment, t'es un Chaquette adulte et tu vas voir un mec sur Twitch pour dire « Oh, mes collègues, ils m'aiment pas. Ah, » Chaquette doit être... Non, 100%. Monsieur H, crie sa quête. Donc ça... Mais qui est ta quête? Photographie du camp un peu passé, datant de, des années 70. Si on en croit les noms inscrits au-dessus, deux des garçons seraient les Hackettes. Ok. D'accord. Les monstres ressemblent à des loups-garous. Ils ressemblent plus à des sortes de zombies chelous en vrai. Moi, ils me font penser, je sais pas si vous avez la ref, pour ceux qui étaient là sur la chaîne en mars peut-être, au moins. Ils me font penser aux zombies dans Uncharted 1, à la fin. Il y a un monde où ils mentent pas. Mais j'y crois pas. J'y crois très peu. Je sais pas si je m'aventure un peu dans les bois. Je vais peut-être monter à l'étage, voir ce qu'il y a. Je dis que ce serait peut-être plus utile. Ils me font vraiment penser à ça. Moi, il me fait penser au professeur Lupin en loup-garou. Ah non. Ah non, non, non. Je trouve pas du tout, hein. Merci à Terre pour l'eau. Je trouve vraiment pas qu'ils fassent penser à des loups-garous. Après, quoique, ils ont peut-être... Une... Si, un peu une apparence. Ouais, non, si. Si, si. Si, si, si. Pourquoi pas des sortes de loups-garous, de... Faudrait qu'on voit... Faudrait qu'on les revoie. Tu devais pas voir, Emma? Je sais pas. Aucune? Mais parce qu'ils veulent aller se baigner là. Attendez, ils veulent aller se baigner, j'ai pas capté. Reviens par ici, tu veux? Ils vont pas aller se baigner, ils sont pas si cons. Moi j'en peux plus devant. Bon, au moins, Nick et Abigail. C'est quoi ces... Ils ont capté que c'était la merde. J'espère. Qu'ils sont plus dans le déni. J'espère qu'Abigail ne revient pas au corps disant: j'ai cru voir un ours. Il faudrait qu'on fasse attention. Allons faire des feux d'artifice. J'espère que là, au moins, c'est bon. Le déni s'arrête. Il va y avoir un truc à voir, là. Il va y avoir forcément un truc à regarder. Quoi? C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit. Ça fait... Ça me fait un peu flipper. Y'a rien. Y'a rien. Ils n'ont pas entendu leur pote hurler. Bah si elle était loin, peut-être pas dans la forêt. Peut-être alors pas. Déjà, oh, putain. Bonjour, hein. Ça m'a fait peur. On n'est pas des chiens? Oui, mais ça m'a fait peur. Un ours qui se casse plus en Gollum. Ouais. Tac. Putain, l'alerte qui m'a fait peur alors qu'elle est con. Cette apparition sur la jetée aurait été parfaite. Bah peut-être qu'elle a eu lieu quand il y a eu le bruit, mais je regardais pas au bon endroit à ce moment-là, à mon avis. À mon avis, je regardais pas au bon endroit. Salut petit buisson, comment ça va? Je pense que je regardais ailleurs. Sûrement un ours, ouais. Sans doute un ours. Toujours les ours. Surtout, prends ton temps. Donc y'a rien. C'est pas des ours, c'est des chatons. Ouais, des petits chatons. Ok, bon, ah, mais on va peut-être se laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Wow. Ou alors vous allez pas nager dans le lac parce qu'il y a des cadavres à l'intérieur. C'est Naos. Écoute, arrête de faire comme si c'était rien passé. Oh mais si je peux, parce que... Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin d'un homme grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver. Victor, il y a eu... Il s'est déshabillé si vite? D'accord. Comment? Que vois-je? J'ai appuyé sur Firefox. Demoiselle en détresse, n'ayez crainte, jeune fille, parce que Super Jacob est là! Je fais la bombe! Ah, t'es sûr de l'eau n'est pas très belle? Ouais, non, ça passe. Hein. Super Jacob. Enfin, un mini récap, ça va être compliqué, mais tu verras où on en sera à peu près. Ah, ok. Ok, je vais te faire payer ça. Tiens.
Mais les, l'eau elle est dégueulasse, non? Non, non, elle est pas si dégueu. Il y a des cadavres dans l'eau, ouais, mais ils le savent pas. Ouais, la texture de l'eau en fait, pas ouf. Vas-y, je l'éclabousse. C'est du goudron un peu la flotte, ouais. Je sais que t'as jamais fait le jeu, mais si je fais un récap pour tous les gens qui arrivent à chaque fois sur la chaîne, je vais quand même en sortir. Je fais plus de live, je fais juste des récaps. Attends, il a vu les trucs sous l'eau, non? Non, pas du tout. Ok, il va juste faire... Ok. Qu'est-ce qu'il est con, Jacob? Qu'est-ce qu'il est nié? Ouais, merci. On va faire le mec sensible. Il est sensible, il l'aime, Jacob. J'aimerais bien rester ici tout l'été, mais je crois qu'on aurait la peau toute flippée. Non, tu sais ce que je veux dire. Après, elle veut pas de lui, hein. Je parle de nous. Jacob, j'ai passé un super été avec toi. Ça pourrait continuer après l'été. Jacob. Ok, écoute ça. Ouais, ils sont tout seuls sur, si sans adultes, parce que le camp de l'été s'est terminé et ils peuvent rentrer que le lendemain. Je pourrais venir te voir, ok? T'en dis quoi? Hey! Où tu vas? Reviens! Il fallait rester barricadé à l'intérieur, ils sont trop cons. Ah, il l'a entendu Abigail! Et les coups de feu. Mais du coup, c'est les chasseurs qui tiraient sur la bête. Je sais pas, Jacob. T'as entendu? Quoi? Ni un autre. J'ai entendu comme un cri. Et on aurait dit Abby, mais c'était pas du tout un cri de joie. Je t'entends pas. Écoute, bouge pas d'ici. Je vais aller voir ce qui se mais passe. Mais tu la laisses? Quoi? T'es sérieux? Tu la laisses? Jacob, tu vas pas partir en caleçon dans la forêt affronter les bêtes? Il va le faire, ce con. Il le fait? Jacob, il va mettre des pieds bouche au monstre comme ça, pieds nus, PAM! C'est ce que leur cerveau refuse d'accepter la réalité. C'est possible, ouais. Caitlin, t'as foutu possible. Un sacré bordel, je dois dire. Ouh, peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby. CRP, c'est pas le plus malin, c'est pas le plus malin. Du mal. Qui va faire le premier pas, à ton avis? Nick ou Abby? Oh, cliché, rien dans la tête ou dans les muscles. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un fantôme mignon et timide? Te laisse pas avoir par son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors t'as remarqué aussi, hein? Dylan, alors, il est gay par contre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est 100% gay, Dylan. On continue. Dylan, c'est bon, c'est confirmé, il est 100% gay. Rien que tous les trois? Ok, Dylan. J'avais encore un petit doute en mode, est-ce qu'il drague vraiment Ryan pour la blague? Non. C'était pas habile. Non. Oh mon dieu. Pas du tout. Faut qu'on l'aide. Ça venait d'où ce bruit? A plus Lixas, ciao ciao. Viens. Au début j'ai débranché le truc pour la voiture. J'ai pas pris la torche. Pitié. Ah elle est là. Aidez-le. Oui Nick. Oui Nick. Merci beaucoup Morgane pour le follow. Va chercher Nick, vite. Vas-y. Ok. Quoi, j'aurais dû la laisser faire, elle est plus forte. Je sais pas. On peut pas y aller à plusieurs. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade. Ok, et elle va bien. Elle a du sang quand même. Mais il y va tout seul? Dylan, il veut pas... Non? Dylan? Elle tient mieux que lui, ouais. Ok. Il y a Jacob en calbut, il aura tué tout le monde. Il y a Jacob, c'est vrai. Jacob en calbut qui aura mis des pieds bouches à absolument la totalité de la planète. J'ai oublié. Pardon. C'est Team Strom. Jacob qui va carry. Jacob qui met des pieds bouches. Suive le chemin, allez, suive le chemin. Merci Juju 2.0 pour le follow. Je vais pas me perdre. Attention, là il y a du QTE. On évite de faire de la merde.
complètement con. Salut cousine Gusha, GG la blague. Suive le chemin, suive le chemin, suive le chemin. Je veux pas que tu te perdes, suive le chemin. Prends pas les raccourcis. Quoi le nom du jeu, c'est ce qui est resté dans le titre. Hop, on évite de se prendre la marche. Hop, ça aussi. Rindral, t'as raté quoi? Jacob, en quel but qui va sauver Nick? Oula! Du coup, lui, il est gentil ou pas? Je suis pas arrivé à temps, j'aurais dû prendre les raccourcis. Hey! Lâchez-le tout de suite, putain! Arrêtez, arrêtez! Où je tire? Non, tire pas, il est trop costaud. Si je tire? J'aurais pas dû. J'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Putain. Non. Je sais pas si j'aurais dû ou pas. Hey, tu peux marcher? Il est vraiment parti en mode oh, j'ai pris une balle. Allez, Viard, viens, va le faire. On retourne au vieux camp. T'as sûrement touché Nick vu la dispersion, je l'ai pas vu. Non, je crois pas. Je crois que j'ai visé correctement. Putain, Nick il a pris cher quand même, hein. Quel con. Putain. Ouais, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû tirer, mais d'un côté, s'ils sont vraiment avec moi, ils comprendront pourquoi j'ai tiré, quoi. Il a rien dit. Mais il est vraiment calbut dans la forêt, il s'est pas rhabillé? Mais Jacob! Oh putain. Qu'est-ce que tu branles? Si tu meurs, c'est... Jacob ? Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas, qu'est-ce que je fous ? Bah t'es en calbut dans... Mais il est... Ah ok... Il me fatigue trop. Il y a les sangliers, Jacob. Ok. J'ai entendu les sangliers. Ou non, c'est pas les sangliers. Il est trop con ? Si, ça c'est les sangliers. C'est le sanglier qui se fait bouffer la gueule. Après il a entendu un cri, il a pas pris le temps de se rhabiller, il aurait peut-être dû quand même. Vite fait. L'expression y aller avec sa bite et son couteau, c'est ça. Et il a même pas son couteau, il a juste sa bite. Appelle pas, je fais rien, j'appelle pas. Fais pas de bruit ta gueule. Eh oh. Non mais j'ai dit... Wow! Et Kiloren. Faire quoi là? Faut marteler? Marteler A? Merci beaucoup, Hugo, pour le follow, bienvenue. Non, rigole pas si fort! Oh oh, merci beaucoup Roro pour le follow. Objectif 0 mort, objectif juste découvrir le jeu. J'ai pas d'objectif plus que ça. Je connais pas le jeu. Oh putain, il va mourir trop vite. Pitié mon vieux. Faites-moi descendre. Hey, listen. Merci beaucoup, bisous pour me le follow. Faites pas de mal. Mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Hey, listen. Merci beaucoup, Rafa Marion, pour le follow. Non. On va découvrir si les chasseurs sont vraiment avec moi ou pas. Hein. Bon, bah... Ok, il a pas l'air si méchant. Vous foutez quoi? Chut, la ferme. Ok, il est cool. Non, lui lance pas de la terre. Je lui lance pas de la terre, on est sympa avec. Non, il a l'air cool. Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi? Chut. Arrêtez. Ils t'aident. S'ils se mettent du sang sur eux, c'est pas pour c'est rien. Pas bon, je sais. Ok, donc eux ils sont mais vraiment c'est avec moi. Bien. C'est bisous.
tout est passé, ma petite. Tu as le one shot le jeu? Je sais pas. Je pense pas, je pense qu'on fera moins de live dessus. C'est quoi ce bordel? Merde. Hey, merci beaucoup Luna McQueen pour le follow. Merci beaucoup. Ah, c'était le sanglier qui gueulait en effet. En effet. C'est Roro. Ah ouais, tu pouvais faire de la merde là. Alors que là, Jacob, je pense que j'ai fait un bon choix. J'ai fait un très bon choix, je pense, de laisser le mec faire ça. Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière visite. Bien. Alors, ils sont gentils, rien, on a buté. Non, il l'a pas buté, j'ai tiré une balle dessus, mais il l'a pas tué. C'est yo, tatou, yo. Yo, tatou, tatou. L'étoile. Oh, tu vois. Hey, merci, patate musclée pour le coup. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses. Ah, c'est des cartes de tarot, quoi. Rêves d'espoir ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment. T'as raison sur les chasseurs, je pense. La lumière, ouais, des étoiles, car elles apportent la clarté. C'est les cartes de tarot qui sont dans Jojo's Bizarre Adventure que Jojo a pris à Persona, puisque Jojo's Bizarre Adventure est très... Enfin, non. Persona a pris à Jojo derrière. Persona, dans Persona, il y a cartes de tarot qui sont vraiment utilisées parce qu'ils ont suivi Jojo's Bizarre Adventure là-dessus. Fuir ou combattre. Merci le Lemon pour le fun. Question que nous nous posons tous, mais bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas peut être votre dernier. Je me demande à quoi elles vont servir les cartes en soi. Souvenez-vous, parce que je les ramasse. La vérité dépasse toujours les apparences. C'est Willip. Voulez-vous que je vous montre? Ouais, il me fait penser à McGonagall dans Harry Potter, c'est vrai. Voir plus, dis-moi. Oui, bien. Mais je ne peux hélas me plonger que dans un seul des futurs possibles. Comment ça? Alors lequel? Choisissez. Non, j'ai pas pris l'allumeur. J'ai fait l'autre choix. J'aime bien l'étoile. Qu'est-ce que c'est ça du coup? Le son du jeu est pas assez fort, ça fait littéralement 3 heures qu'on est en live, vous êtes deux avant l'heure 17 depuis le début. Retournez. Montez le son Hackett de votre du live. Reprenez la route de Hackett Quarry. Vous allez bien vous amuser. Quoi? Faut que je rentre à Hackett Quarry du coup? Ok. J'ai pas compris à quoi servaient les cartes. Est-ce que quelqu'un qui a fait le jeu peut m'expliquer à quoi ça sert les cartes là, ce qui vient de se passer? Ça, je veux bien être backseat. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ça sert les cartes en soi? Ce qui est fait là. Ce sont des prémonitions. Tu peux revoir la vision de futur possible. Comment ça? Quoi, afficher votre chemin. Laura n'a pas aidé Max quand il a été attaqué dans le sous-sol. Oui, c'est vrai. Laura a menti au policier à propos de l'accident de voiture. D'accord, je peux voir les chemins que j'ai fait. Pour éviter des choix de merde, en gros. Donc là, si elle me dit de retourner à Hackett's Quarry, c'est qu'il faut que je retourne à Hackett's Quarry à un moment. C'est Foxy. Enfin, merci Foxy pour l'eau. Donc là, quand elle me dit, regarde la carte pour voir la prémonition, d'accord. Tarot. L'étoile, c'est l'étoile, d'accord. Et revoir la vision. Faudrait que je prenne une photo à ce moment-là. D'accord. Il y a un moment où il y aura elle qui va arriver. C'est Emma, on est d'accord. Elle va voir la bête et elle devra prendre une photo d'elle. Ok. C'est Mirac. Ok, ok. Donc ça, c'est pas évité. D'accord, je vois. Je vois, ça peut être intéressant. Ok, ok. C'est pour un peu tous les points, d'accord. Donc, Emma, elle est toute seule sur l'île. Et eux, ils sont tous ici, à peu près, dispersés dans les bois. Ok. Bah, go. C'était horrible. C'était... Faire le bon choix, ouais, je vois. Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide. Et il y avait un chasseur. Hey, merci beaucoup, Jean Dush, pour le follow. Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. C'est Jean Dush. Hello, comment tu vas? Mmh.
Elle est pas bien. Hein. Nick. Donc là, on est au chapitre 4. Dis-nous ce qui s'est passé. Tous vivants. Ouhou. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. D'accord, je vois notre bad. Je vois. C'est noir. Mec, mais... Si dans la vision on voit un personnage qui meurt, bah faudra éviter de faire ça pour éviter de voir que le personnage meure. D'animal. De quoi tu parles? Quel genre de d'animal peut faire ça? C'est pas un animal, hein. Si seulement les bronzés font du ski et t'es venu à Katsukwari. Oh la violence. Abby, t'aimes pas le film? Du coup j'imagine. Je suis bagarré. Merci Tona pour le follow. De grandes griffes et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Mec, t'es ensanglanté par terre. Pourquoi tu dis je crois que c'était un ours? Le déni ne s'arrête pas là. Le déni s'est pas arrêté. Ils ont ressorti l'excuse de l'ours. Chapitre 4. Les mecs se sont fait attaquer dans les bois par ça. Et ils ont ressorti le... Bon, c'était un ours. Mais non. Là, il faut... Là le déni, il faut l'arrêter, je pense. Il faut vraiment se dire, il faut accepter le fait que vous êtes dans la merde et que ce n'est pas un ours dans les bois. S'il vous plaît. On arrête. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Mais non. C'est pas un ours. Oh merde. Regarde ça, regarde ça. Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint, ah merde. Ça craint de ouf. Ah mais il va se transformer en ça. Appuyer. Je sais pas. Sans doute, oui, de toute façon, dans une fait comme désolé, ça. Mains, pardon. Ouais. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal, putain. C'est bon, Squarry, ils sont persuadés que c'est des ours. Il faut l'amputer, quoi. On devrait couper avant que l'infection se propage. Je suis plutôt d'accord, en vrai. Bah, en vrai, oui. En vrai, oui. Sinon, je suis sûr qu'il va se transformer en infecté. Mais en vrai, oui, hein. Pourquoi j'ai que des choix pour le prendre pour un idiot? Non, il a raison. Il a raison. Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur. Tu veux sur quoi sur PC? Il a tellement raison. Non mais appelez pas, hein. Appelez pas, moi j'appelle pas, hein. Qui est là? On sait pas. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Jacob, il est en caleçon, on le verra. Fais attention. Oui, il tire pas tout de suite non plus, mais bon. Ah, je vois pas, là. Je vois personne. C'était sûrement rien. Si, c'était ouais. Sûrement un truc. Mais c'est encore là? C'est le mais grosso, ça fait très longtemps, oui. Non, il vaut mieux l'amputer, oui. Tire-toi. C'est en plus, ça risque de s'infecter encore plus. Oui, ils n'ont pas le matos, et ça, c'est pas faux. Tu veux pas amputer comme ça non plus. Après, il y avait une tronçonneuse dans une cabane. Alors. Moi, je dis ça. On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? En tout cas, là, le jeu, ouais, une fois, c'est pas comme un jeu neuf, quoi. Ouais, c'était. Ouais. Heureusement que j'ai pas tiré dans le buisson. Sinon, tu tues Jacob comme un con. Je suis là pour vous sauver. Mais du coup, il sait ce qu'il fasse. Nick. Il va bien. Nick et Abby. Attends, Jacob, il devient sérieux là d'un coup? Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle sévère? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Où est Emma? La pauvre Emma, elle est toute seule. Elle est où, Emma? T'inquiète, Albé Grosso. Merde! Oh, bordel de merde! Ah bah oui! J'ai oublié Emma. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. C'est un petit peu doux. Attends, sur l'île? Hello, Lawrence. Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Je sais pas quand t'es parti, Gaël. Quelqu'un? Je sais pas. Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Mais globalement, il y a des monstres qui nous attaquent dans les bois. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Mais j'aime bien l'histoire, c'est cool. Couvert de... ce que j'espère... C'est stylé, Stylox.
Ah ouais, non. Il a fait quoi le bégrosso, tiens? C'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Je peux pas faire un recap toutes les 3 minutes de ce qui se passe. C'est flippant. Je regardais un petit peu le live, vous verrez, vous rattraperez. Spoil. Ah, il a spoilé. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hey, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Bon, elle est sans doute en danger. Hey, mais c'est beaucoup Laurie Alexandre pour le follow. Une espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta. Les persos sont super courts. Là, Jacob est en train de progresser un petit peu. Ryan fait un peu de la merde par contre. Vas-y, je lâche. Laisse-le. Laisse-le prendre le flingue. Laisse-le prendre le flingue. Putain, merde. Ah merde. Non, non. Non. Non, non, putain, non, vous battez pas. On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Oui. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan. Désolé. Mais du coup, qui va sauver Emma? Parce qu'Emma, elle est quand même toute seule. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Ouf. Alors, par contre, je suis persuadé que c'est une idée de merde, ça. Non, merci. Il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Du coup, le bûcheron lui a rien dit. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. Eh, j'ai une idée. Ouais, si Jacob avait pas fait de la merde dès le début, en fait, ils seraient tous en vie, ils seraient tous rentrés chez eux, ils seraient tous en train de dormir actuellement. Mais comme c'est des connards, voilà. Jacob est indétectable avec le sang. Ah ouais? Mais ça, je sais pas. Mais d'un côté, oui, ils s'en mettent partout du sang. Donc d'un côté, oui. C'est vrai que le sang, ça a l'air de les protéger. Alors ça, la vision que j'ai vue est pas loin, je pense. Arrête de faire des stories Insta. Cette débile. Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce de libre. Faut prendre en photo le monstre. Et c'est ici. Sur cette, tu peux utiliser une autre carte. Non. Cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. D'accord. Non, je pourrais utiliser qu'une seule carte. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Ok. Bah, allons-y. Voilà. Pourquoi pas? Quelle idée de merde. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolé de... La vision, c'était de prendre une photo du monstre, oui. Changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. Bah oui. À la... Bah oui, techniquement, c'est un de mon tarot. Échapper à vos problèmes, fuir au combat, c'était la question que nous nous posons tous, mais bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Faut éviter d'échapper au danger à un moment. On risque de tomber sur un péril plus grand. Ça, faudra que j'y pense. C'est toi qui apporte la clarté, parfois une preuve. Mais ça, c'est une preuve, du coup, si je revois la vision. En fait, il faut vraiment qu'elle prenne en photo, parce qu'à la fin de l'histoire, je pense, quand les policiers demanderont quelque chose ou un truc, on aura la photo. Il faut prendre une photo. Et là, ça me dit à un moment d'éviter de fuir. Il faut éviter de fuir. Okay. Cabane, chers explorateurs. Je sais pas pourquoi le sanglier. Il a juste pris son sang. Ah oui, pour le sanglier, possible. Possible, possible. C'est faisable. Il y a eu des dingues dans le chat, là. Mais il parlait à un personnage, je pense, lui, tiens. Il parlait à un personnage. Firou, je pense. Je vais lui laisser le doute. Je pense qu'il parlait à un personnage pour le coup, j'avais vu son message. Il disait ta gueule à Emma parce que Emma est relou. Et il a pas tort, moi aussi je lui ai dit ta gueule. Mais bon, évitez de dire des insultes dans le chat quand même, on sait jamais. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. T'es à poil, dans les bois. Je les ai jamais utilisés. Ouais, je suis persuadé. Honnêtement, elles sont un peu trop rouges pour moi. Maxime, c'est quand tu aides le vieux streamer. J'ai jamais vraiment enfin, il l'a pas demandé. À où ça allait après. Mais là, elle va avoir le portable et du coup, elle pourra prendre en photo et ça va pas tarder, je pense. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça. Elle a une bouche chelou, Emma, je trouve. Ouais. Elle a la bouche du titan, là, qui a bouffé la mère des reines.
clairement. Sûr, elle a bouffé la mère d'Eren, Emma. Oui, je vous ai spoilé le premier chapitre d'SNK, excusez-moi. Alors, cette île est une partie de la carrière exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. Ouais, c'est elle, hein. C'est cool, non? Le titan souriant, c'est en elle. En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser... Ah oui, ça c'est pas... Attendez, faites voir. Ça, elle est habillée comment sur la... Mais non, elle est pas habillée... Elle est à poil ou pas sur la vision? Non, elle est habillée, putain, c'est pas du tout là, en fait. En fait, c'est pas du tout un là qu'il y aura une preuve. Et quand on se retrouve à materner, un gros bébé poilu. Qui déprime, parce que tu veux... En plus, elle est nue, c'est la fin un peu commun, voilà, c'est ça. Et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Bah, moi, ça commence à me casser les couilles, je t'avoue. Ce serait à moi de justifier ce que je ressens, alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux. On a d'autres préoccupations, là, tout de suite. Je sais pas si tu es au courant que faire tes stories à la con. Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Elle me saoule. Voilà la grande question. T'as rien sur vous, c'est bon, c'est passé. Je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça. Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? On va monter? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Il y a eu un bruit là. Il y a un bruit. Je vais monter. Je vais monter parce que je me dis, comme okay, c'est une structure en plus et tout, il y a moyen de trouver parti. Des trucs intéressants. Alors donc, que dans la forêt, remarqué l'ambiance ça rustique pue du cul, de quoi. Cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas une heure à enlever une écharde du doigt d'un morveux qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais elle a l'habitude de faire ça, de parler toute seule comme une connasse au milieu des bois pendant la nuit alors qu'il y a des monstres autour ou pas? Elle me saoule un peu là. Emma, tu ne serais pas top 1 personnage détestable actuellement? Bah si, tu l'es. Tu l'es, bravo à toi. Jacob était premier, mais depuis qu'il a mis des pieds bouches aux monstres dans la forêt en caleçon, moi j'aime bien. Voilà. C'est une Instagrammeuse, quoi. C'est une influenceuse, oui, c'est une influenceuse. Ah, ces influenceurs, vraiment tous des cons, hein. Moi, je peux pas les blairer, hein. Les influenceurs, ils me fatiguent. Pire, c'est Jacob. Ah, Jacob, je sais pas. Un peu mieux, déjà. Au moins, il est plus dans le déni, il a pris ses responsabilités, et c'est là il réfléchit un peu. C'est pas si moisi, hein. Enfin, même s'il est c'est relou et que c'est à cause de lui vraiment qu'on est là, parce qu'il veut juste mettre sa vie dans Emma, quoi. Vous allez pas en croire vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui... Bah, je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Bah, je vais non. Profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Non. Mais d'abord, on va par là. Et il a foutu en l'air tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est à cause de Jacob. À la base. Merci Nedjum pour l'eau. Pente empathique un minimum. J'espère qu'Abby va bien. Elle s'est tirée tout à l'heure. Quand même. Si vous avez pas vu, j'ai... un peu rouler une pelle à Nick. Un peu de mais ta faute. C'était un jeu. Je suis pas une salope quand même. Oh, et je précise. Je. Nat John, je l'ai fait. C'est culotté quand même. C'est un peu. Je m'arrête là parce qu'il fait un peu chaud quand même, mais. Je suis pas une salope. Ça, ils arrêtent tout ça. Un peu. Abby okay. Aime Nick. Enfin, ils ont fait. Voilà, je vais juste m'arrêter là-dessus parce que faut que je. En fait, faut être un peu. De toi à moi, Emma, ouais. Si. 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 Emma, t'es allé rouler une pelle de 10 secondes au crush de ta copine pour faire chier un mec avec qui t'es sorti. Si, t'es une salope. Si, si, quand même, là, c'était un move de salope. Je suis sûre qu'ils sont dans les bois en ce moment en train de s'embrasser et de se flotter. Non, elle vient de crier de peur en fait. Elle est conne. Elle a pas crié de peur en voyant que Nick avait un micro-pénis, quoi. Elle a crié de peur parce qu'elle s'est fait attaquer. Trop conne. C'est Tezoku. Salut, Estou, bienvenue. D'accord. Je suis en train de me défoncer avec la caméra.
Je crois Emma, on sait rien. Bah, elle l'a entendu crier quand même. Un mot, un cri comme ça, c'est pas juste. Elle l'a entendu. Ah non, elle l'a pas entendu. Ah non, c'est vrai qu'elle était dans l'eau, elle l'a pas forcément entendu le cri. C'est vrai. Non, regardez. C'est vrai qu'Emma, pour le moins. Mais que, par contre, elle a du courage pour se balader en soutif et en culotte comme ça dans la forêt. Ça doit être une histoire du genre. Désolé, monsieur. C'est pas possible, elle a du courage. Ce qui appartient au commissariat de police de North Kill. Qu'est-ce qu'elles font dans cette cabane si loin de Hackett Square? Hackett Square. Je vois pas. Prends les clés. Je vois pas. Ah mais non, t'as pas de poche, putain. Je vais continuer la visite et laisser ça là. Le jeu, c'est The Quarry, c'est dans le titre. The Quarry. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Et on y est. Bienvenue. Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Ah, elle entendait pas, elle était dans l'eau et tout. Dans notre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici pour fonder une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. T'en fais trop. Elle perce vraiment comme ça sur TikTok et Instagram, Emma? Genre, y'a des gens, ils la suivent? C'est pas crédible. Genre, personne. Personne de manière trop drôle la vidéo d'Emma où elle fait semblant d'être une daronne. Je like, je mets un com et je partage. Personne. T'as 2 abonnés, Emma, je pense. Maximum. Profitez-en bien. Elle a pas de poche, elle a réussi à transformer son tel. Elle a peut-être laissé sur le. Oh, regardez. Sur le bord. Emma l'a 2000. Totalement. Totalement. Merci, agent à la malice pour le follow. C'est là. Je crois qu'on a une décision à prendre. C'est là. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. C'est là le choix que j'avais à faire. Fouille le sac d'abord. Pas pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Voilà. Et là, on va avoir le choix de tout à l'heure. Déjà, on va se rhabiller, voilà. Hey, merci Ghost Soldier pour le follow. Salut, vrai Hongar, ça va et toi? Oh! Ça, c'est pas mal. C'est juste parce que les gens sont des dalleux. C'est vrai qu'elle fait des stories en petite culotte et soutien-gorge, donc ouais, elle fait des vues. Elle fait des vues sur TikTok, si. C'est vrai. C'est là. C'est là le choix qu'on a à faire. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Merci beaucoup. Ken Goku pour le follow. Utiliser le taser, utiliser le répulsif à ours. Mais c'était pas ça mon choix. Prends une photo, c'est ça. Putain. La pauvre Emma là. Mais par contre elle perd pas ses couilles, elle est vraiment en mode vas-y j'y vais, je m'en bats les couilles. Elle sent... Wouah, elle est badass un peu. Emma elle remonte en estime. Elle sent bat la race. Ah oui d'accord. Elle s'en est battue la race. Ah non, elle est balèze. Non, ok, j'ai rien dit. J'arrête de la critiquer. Elle a eu des couilles. Ah, ils sont moches. Hein. Asperger. On a dit pas la fuite. Pas la fuite. Sinon, on peut tomber dans un danger encore plus grand. Je pense que c'était ça, la fameuse carte, la deuxième. C'était là. Ok. Restez plutôt que fuir. Vous tomberez dans un danger encore plus grand. Je pense que ça peut être ça la carte. Vas-y Eve. Vas-y. Bloquer la porte. Peut-être on peut bloquer la porte et ensuite utiliser la trappe. Je bloque d'abord. Ah, ça servait à rien. Fallait prendre la trappe. Utiliser le répulsif à ours. S'en bat un peu les couilles. Prends la trappe. Vite, monte.
Monte, rouille-toi. Ok. C'est la run. Sûr qu'Emma, elle pouvait mourir ici. Je pense que si je faisais des choix de merde, Emma, elle pouvait vraiment mourir ici. Je pense qu'Emma pouvait crever ici. Je pense que j'ai réussi à la faire survivre. C'est ça, regardez, je suis en train de l'encourager à courir plus vite. Elle a des couilles. C'est Ron. C'est un film d'horreur interactif. C'est ça, c'est l'idée. Non, est trop honnête. Je pense qu'elle pouvait mourir. Est-ce que quelqu'un peut me spoil? Elle pouvait mourir ici pour les gens qui ont fait le jeu et qui l'ont vu? Parce que sur les choix que j'ai pas fait, j'en pouvais si vraiment laisser passer. Est-ce qu'Emma pouvait mourir ici? Non, elle pouvait pas mourir. Oui, non. Il y a des gens qui disent oui. Oui, elle pouvait mourir. Elle pouvait mourir à la tyrolienne. Elle pouvait mourir à plusieurs endroits, je crois. Hein. Je pense que si je fuyais au lieu d'utiliser le répulsif, comme la carte le disait plus ou moins, je pense qu'elle pouvait y passer et que j'ai pas trop fait de la merde. Ouais, c'est ça, elle pouvait y passer. Ok. Donc j'ai fait survivre Emma. J'ai eu des choix, elle n'est jamais morte. Mais il y a plusieurs choix, il y a plus que deux choix ici. Il y a plus que deux choix. Merci Arphanix pour le follow. Il y a au moment où tu peux fuir ou utiliser le répulsif, il y a le moment à la tyrolienne. Elle pouvait mourir à la tyrolienne, ok. Je sais qu'elle pouvait mourir si tu fouillais pas le sac à monstres. Le sac. D'accord. J'ai vu des gens la faire mourir ici. Ok, donc elle pouvait vraiment mourir ici. Merci Snork pour le follow. Faut qu'elle a survécu, elle ne peut plus mourir du tout. Si, je pense que dans l'histoire après, tu peux la faire mourir aussi. Emma peut mourir avant la photo si tu tasses pas le mont, si tu fais de la... Ouais. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Si tu te failles sur le QTE, ouais, je pense. Avant de continuer, on arrive à. Il y a une nouvelle phase. Pause pipi, je reviens. Salut Draco, je fais une petite pause pipi, je reviens tout de suite. Salut Val, coucou. Voilà, comme Emma s'est passée. Mais c'est stressant un peu le passage, mais c'est bon. Emma a survécu. Je l'aime bien en plus. Emma, elle est remontée dans mon estime. Elle a fait un peu la connasse avant, mais là, pas mal. Allez, pause pipi, j'arrive. Le jeu est trop cool. En vrai, vous en pensez quoi du jeu pour les gens qui le découvrent avec moi ou les autres? Il est trop cool ou pas? Heureusement qu'elle avait un poco pour prendre la photo. Très bien placé. Le jeu, je trouve ça très très cool. C'est un jeu que je voulais pas forcément... enfin, je voulais le faire, mais je voulais pas le payer 50... Enfin, je me disais 50 balles dans le jeu, c'est peut-être abusé. Bah, en vrai, stylé, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je kiffe bien, hein. Je kiffe bien. Donc, je suis content d'avoir... je suis content d'avoir chopé une clé, parce que je pense que si j'avais pas chopé de clé, je l'aurais pas fait, je serais passé à côté. Et franchement, je suis trop content. Donc, let's go. Let's go. Allez, je vous laisse. Je vais faire ma pause pipi, parce que je vais me pisser dessus, comme Emma. Allez, à tout de suite. Attendez, deux petites secondes. T'as déjà fait Hippie Rain? Non. Non, non. Parce que je déteste David Cage qui fait le truc. Hop, attendez. Il y a un système D. Voilà. Ça va et toi, Hello Fishing? Comment que ça va? Ok. C'est pas un Xaobab? Quoi? L'arbre de Xabab, un Xababier. Et le Xabaobab, ah oui. Le Xababier, oui, c'est très bon. Très bon, mais non. Allez, on reprend. C'est reparti. Hop, emmenez Nick à l'infirmerie. Ok. Donc là, on est de retour avec eux. Pas de soucis. Pourquoi Dylan est derrière? T'as pas trop mal? Non, désolé, j'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Ouais, d'accord. Allez. Oh putain, je bouffe. Il va bien, parfait. Bah, je sais pas. Emma plus Taser, c'est au niveau de Castex plus crème, quoi? Peut-être du muesli? Oh, Berk, je déteste le muesli. Emma a survécu, oui. Emma est vivante. Ah oh, merde, y avait la carte! Oh merde, je regardais le chat. Oh non, j'ai loupé une carte de tarot. Oh quel con. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Est-ce que tout le monde va survivre au chapitre 4? Oh, je suis trop con. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Oh, je suis trop débile. Zenzo. On vous rejoindra. Ça marche. Vas-y, on va être prudent. Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, que ça peut suivre leur... Oui. Leur odeur? Quoi?
J'en sais rien. Pas confiance en Nick. Ce truc il a l'air bizarre, bah il faut couper sa jambe. Il essaie de les traquer. Je crois pas, non. Si. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger.